Bonjour à tous, merci d'être présents avec deux auteurs de qualité mondiale que sont Paul Gossem et Guillaume Lopez auteurs donc du livre Okutono Ken, l'héritier de l'apocalypse consacré aux aventures de Kenshiro, l'héritier de la grande ours qui est juste paru, alors corrigez-moi si je me trompe, il vient de paraître hein Ouais, le 6 juillet il est voilà. sorti voilà. Donc il est dans toutes les bonnes librairies j'imagine et également sur le site de l'éditeur directement, Fur Edition. Donc, n'hésitez pas à vous procurer. Et je crois qu'il y a également deux versions différentes. Oui, il y a une First Print qui est, euh, qui est, euh, qui est disponible sur le site de, 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 de ferd qui est comme on, qu on commande sur le site de Ferd. C'est une édition limitée collector. Et il y a l'édition normale qui est disponible dans toutes les librairies, toutes les FNAC, tous les, tous les magasins euh, qui vendent des livres, en tout cas, je pense. Il y a une bonne, une bonne distribution, je pense. Parfait. Voilà. Et euh, donc, Okutono Ken, Ken le Survivant en version française, c'est un animé qui a marqué, je pense, pas mal d'entre nous. Euh, moi, je suis, comme beaucoup euh, de, de gens de, de ma génération, quelqu'un qui a été marqué par les dessins animés du Club Dorothée. Et euh, j'ai découvert, évidemment, Ken le Survivant dans la foulée de deux autres œuvres euh, qui avaient été très marquantes, à savoir Senseiya, Les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball. Euh, et je dois avouer que euh, je n'avais pas forcément été totalement euh, convaincu par quel euh, ne survivant à, à l'époque de la diffusion. Euh, J'étais encore un peu euh, gamin et euh, la violence m'avait quand même un petit peu euh, rebuté. Euh, J'ai toujours quelques. Quelque, comment dire, quelques réserves par rapport à, à l'œuvre de euh, Tetsuo Wala et Boulompson. Ceci étant, c'est une œuvre qui est quand même toujours restée euh, avec moi et j'ai toujours euh, continué à voir euh, des animés, à faire des jeux vidéo. Donc c'est toujours resté dans, dans, mon, dans mon univers de, de pop culture. Donc c'est intéressant, je pense, de pouvoir revenir sur toute la genèse de euh, cette œuvre qui a quand même marqué euh, la pop culture au sens large. Et euh, également, tout particulièrement au Japon, pour l'anecdote, j'étais à Okinawa euh, en mars pour euh, des vacances et, euh, dans les pachinko. Euh, ça y est, les, les artworks et les machines à coups de, de Kenshiro, Kotonoken, c'était encore extrêmement euh, populaire. Donc, c'est une œuvre qui est toujours euh, d'actualité, qui fait toujours sens, alors qu'elle a quand même maintenant plus euh, de 30 ans. Donc ça va être très intéressant, je pense, de revenir sur toute la genèse, sur toute l'existence et ce qui fait la qualité de Okuto no Ken. Donc je vais déjà commencer par vous demander comment est né Okuto no Ken. Alors Okuto no Ken, bah, c'est une œuvre qui, bah, qui, qui naît en, en 1983 euh, sous la forme d'un manga. Hein, parce que Arnaud, tu, on a parlé là, de la série TV que tu avais, avais découvert dans le club de Roté, c'est-à-dire... Exactement comme moi. Euh, et euh, donc c'est au début des années 80, hein, en 83, que que Okuto no Ken va va, va paraître. au départ dans les pages d'un magazine de prépublication qui s'appelle le Weekly Shonen Jump, qui est édité par la Shueisha. C'est euh, bah, c'est un magazine euh, qui prépublie. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les mangas, avant d'être reliés en volume, sont euh, prépubliés euh, semaine après semaine, chapitre par chapitre, dans des magazines. Et c'est euh, à partir d'un nombre, euh, nombre précis, hein, c'est à peu près ces 10 chapitres qu'ils sont, euh, qu sont réunis dans ce qu'on appelle des tankobons, c'est-à-dire des, 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 des livres hein, singuliers euh, sur l'œuvre. Donc au départ, il, il, il sort en 1983 dans les pages du Weekly Challenge Jump et c'est euh, un succès immédiat. Euh, et ça un, une œuvre qui va euh, marquer l'histoire du weekly end Jump de la pop culture bien entendu comme tu as dit on en reparlera mais du weekly end Jump parce qu'il lui fera atteindre des ventes records donc oui c'est une institution euh, euh, c'est une institution euh, au Japon qui a 40 ans hein, qui fête ses 40 ans cette année c'est aussi un peu pour cette raison qu'on a qu'on a qu'on a voulu sortir euh, ce livre cette année en tant que alors en tant que grand euh, grand fan de grand fan de, de tout cet univers hein, que ce soit euh, que ce soit l'animation ou le manga et donc c'est l'œuvre de deux personnes hein. un, un dessinateur qui s'appelle hara qui était tout jeune à l'époque il avait 22 ans quand quand c'est sorti et d'un scénariste qui s'appelle Bouronson et qui est lui un peu plus vieux qui a euh, un peu plus d'une dizaine d'années de plus et euh, à eux deux donc ils ont euh, bah, créé Okutono ken une œuvre qui est euh, bah, qui est restée comme tu as dit dans les mémoires alors on peut aimer sur certains dont on peut aimer certains aspects et pas d'autres ça on peut en discuter et euh, voilà en gros, en gros si je résume la naissance de Kutodoken no c'est un peu ça Guillaume qu'est-ce que tu en penses tu as quelque chose à rajouter toi euh, je, je trouve ça non non tu as très très bien, euh, très bien présenté le l'apparition euh, <laughs> de Kutodoken no au Japon et euh, non, non, c'est vrai, hein, mangue, ça s'est réuni en, au bout de dix, dix chapitres sortis dans le, dans le magazine hebdomadaire Shannon Jump, et ben tu as, as le Tank euh, qui, qui est en fait le manga qu'on qu retrouve généralement de, de, de partout, et c'est valable pour toutes les séries qui sortent en, en parution hebdomadaire. Voilà même, même d'autres parutions dans d'autres magazines où ça sort des fois, une fois par mois, mais en général, c'est toujours réuni en un volume. Alors, l'apparition d'ailleurs hebdomadaire de, de, de Okutonoken, hein, cette publication semaine par semaine, explique beaucoup de choses sur euh, ce qu'est Okutonoken et la forme qu'il prend et les, euh, et les références qu'il utilise et comment il les utilise. Hein. Le mode de conception et euh, le... Le, 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 le temps alloué à la, à la conception de l'œuvre, mais bon, c'est pas que au Kutonoken, c'est la plupart des mangas qui sont comme ça, euh, explique pas mal de choses sur ce qu'est au Kutonoken. Et en termes d'influence, alors évidemment, il y en a une qui est un peu évidente, c'est celle de, la, de Mad Max 2. sorti en 1981, donc deux ans avant la publication. Euh, clairement, l'univers post-apocalyptique qui est décrit, il est très, très inspiré de Mad Max 2, qui a été un film aussi assez fondamental dans la visualisation, justement, de cet univers post-apocalyptique, hein, parce que maintenant, c'est des choses qu'on considère un petit peu comme acquises, mais toute cette espèce d'imagerie sadomaso, ce genre de machin, c'était vraiment des trucs qui ont été mis en place par Mad Max 2 et qu'on retrouve donc dans Kotonoken, mais il y a, je suppose, tout un tas d'autres influences peut-être un peu moins euh, évidentes est-ce que vous pouvez euh, nous dire ce qu'il en est à ce niveau donc que Mad Max 2 c'est euh, c'est Bruce Lee mais on va on va je, je vais laisser uh, Paul Paul non, euh, non te je t'en prie, prie Guillaume vas-y non mais avec toutes les toutes les références cinématographiques c'est une sorte de melting pot qui marche en fait c'est euh, octonoken c'est une soupe avec énormément d'ingrédients qui fait qu'à la fin ça marche et que c'est super bon quoi et euh, octonoken donc on a cité Mad Max euh, de Miller, mais il y a aussi ben, ce, 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 ces, ces côtés un petit peu cri et art martial de, 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 de Bruce Lee et tout, tout ce qui est un petit peu euh, euh, technique de combat qu'on va retrouver dans, dans, dans Hokuto no Ken avec ce euh, que ça soit les, les points vitaux, alors on va expliquer un petit peu le, les, les techniques du héros, il fait partie de l'école Hokuto Shinken, c'est un héritier où il y a qu'un seul héritier, normalement et euh, en fait quand il Attaque ses adversaires, il touche les points vitaux et ça les fait, au bout de quelques secondes, euh, imploser. Donc, euh, les personnages qui s'attaquent à notre héros euh, se retrouvent. Euh... <laughs> euh, en forme de feu d'artifice, euh, d'organes, et c'est euh, tout le concept du, euh, du, de, de la technique de, 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 de Kenshiro, le héros de la série. Donc il euh, y avait cette, cette influence Mad Max, on, on en parle pour le côté un petit peu désertique, les, 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 les punks fous, euh, euh, etc. Mais en fait, y a, y a, y a, presque, presque ça, c'est juste l'imagerie, parce qu'au fond, il y a tellement d'autres références. Des personnages, des acteurs qui sont repris directement euh, les visages de, de certains personnages comme euh, Dolph Lundgren, euh, on parlait de, de Bruce Lee, mais Kenshiro, c'est un mélange de Matt Gibson et de Bruce Lee aussi dans, 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 dans son visage, et puis pour plus tard, uh, Stallone. Donc il uh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de références, et, uh, et c'est là que je, je vais te laisser uh, prendre la main, Paul, pour uh, détailler un petit peu tout, tout, toutes, ces, toutes ces références justement. Ouais, alors le côté post-apo, il est, il est bah, fondamental et très important. Il faut savoir que okutono au départ, il naît de deux de one-shots. Hein, euh, et il n'est pas du, du tout dans le post-apo. C'est-à-dire que les, les, les deux premiers chapitres, qui n'étaient pas encore. Euh, il n'y avait pas encore Burunson qui était arrivé. C'est des chapitres qui ont, été, qui ont été dessinés et écrits par Ara, euh, se passaient dans un monde contemporain. Et à cette époque-là, Kenshiro, donc le héros de okutono était un jeune étudiant. Mais il y avait déjà cette histoire de Hokuto Shinken, c'est-à-dire d'art martial assassin. Et vraiment, l'influence la, la, de base, c'est Bruce Lee, c'est le kung-fu. Euh, c'est euh, alors l'éditeur qui avait repéré, euh, repéré euh, euh, Tetsuhara euh, et qui euh, qu lui avait fait signer un contrat euh, dans le weekly Shonen qui s'appelle Nobuiko Horie, et euh, qui sera en fait euh, lui aussi hein, la troisième personne. Créate, fondatrice, fondateur, hein, c'est le troisième fondateur de la saga, hein, il est aussi important en fait que, que Ara Boronson et, euh, et c'est euh, lui qui trouve cette idée, hein, donc on part de cette idée, un jour il chinait des bouquins euh Brunson, il faisait déjà travailler à ARA, qui avait déjà travaillé sur du post-apo d'ailleurs, hein, il avait fait sortir quelques, quelques, euh, quelques one-shot ou quelques mangas, il y a une série qui s'appelait Iron Donkey Shot, juste avant, qui n'avait pas fonctionné, qui avait été annulé au bout du avant le dixième épisode, on lui avait dit que c'était terminé, il en aurait dit et c'était fini, il avait fait avant euh, un manga qui s'appelait Mad Fighters, et tout ça, ça se passait un peu dans un monde post-apo, donc ça faisait longtemps qu'il maniait le post-apo euh, à ARA, euh, et, euh, et qui trouvait pas vraiment le succès, hein, que ça parlait pas encore aux gens. Alors sur le sur le post-apo, je reviendrai sur le reste après. Oui, le post-apo, il est fondamental, mais il y a aussi une, une influence. Alors de Mad Max 2, c'est certain. Il en reprend même des personnages entiers. Hein. Je pense notamment à comment s'appelle Vernon Wells. Dans Mad Max 2, qui, euh, bah, qui est complètement repris dès les premiers chapitres, on a le, le même personnage qui est dessiné, on a des esthétiques euh, très, euh, très complètement tirées du film de Miller, mais il s'inscrit aussi dans toute une tradition. Par exemple, je pense à un manga de Gonaga qui s'appelait Violence Jack, qui, euh, qui, pareil, euh, avant même Mad Max, euh, se passe dans un monde post-apocalyptique où on a un gars qui euh, défonce des punks à la moto. Euh, donc euh, euh, c'est un tout, tout ce mélange, hein, la, la, le, post-impos au Japon, c'est quelque chose, bah, Mad Max 2, ça a été un un raz-de-marée au japon parce que justement c'est aussi une patrie euh, du post-apo alors depuis très longtemps et sous diverses formes hein, les kaiju wega les films catastrophes euh, euh, dans le manga dans l'animation dans, dans le cinéma en général donc c'est quelque chose qui, qui est très présent le post-apo mais c'est vrai que Mad Max 2 euh, marque un jalon c'est d'ailleurs Nobuhiro Ikori qui dira et qui intimera l'ordre à, à Arad d'aller voir ce film en disant il faut vraiment que tu ailles voir ça euh, mais au départ L'idée de base, c'est Nobuo Ikohoriya qui chine, qui trouve un, un livre de médecine chinoise sur l'acupuncture et euh, qui va euh, bah, chercher une histoire pour rebondir parce que qu'Ara, là, c'était sa dernière chance. Si, euh, si jamais son prochain manga ne fonctionnait pas, c'était ciao, bye, bye et, euh, et fini le Weekly Shonen Jump. Et lui dit, bah, ça serait pas mal que tu fasses un, un, un bouquin avec un combattant d'arts martiaux qui, qui tue ses adversaires en pressant ses points vitaux. Et donc c'est Aurier qui trouve cette idée. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que Hara lui, depuis tout petit, il est fan de Bruce Lee. C'est quelqu'un qui a été très très touché par euh, par la par la mort de, de Bruce Lee, et qui euh, dit, alors dans ses interviews, en tout cas c'est ce qu'il dit dans ses interviews, hein, c'est que depuis la mort de Bruce Lee, il s'était toujours demandé comment en tant qu'artiste il pouvait poursuivre cet héritage. Et euh, là, il a trouvé euh, la la façon pour lui, idéal de, de poursuivre cet héritage, c'est de faire de son héros, de Kenshiro, un espèce de continuateur de, de l'œuvre de Bruce Lee. D'où euh, justement, par exemple, les poses de Bruce Lee qu'on va retrouver dans les planches de Hara, euh, euh, son cri ta 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 qui fait un peu penser à ce que, pouvait, euh, ce que pouvait faire Bruce Lee en termes de cri. Donc, on a vraiment ça au départ. Et, euh, mais, et après, c'est donc il fait un il fait un one-shot qui se passe dans un monde contemporain, euh, où il y a Jaleo Kuto Shinken, où euh, Kenshiro est là, alors il euh, y a son père, après on verra que c'est plus comme ça et tout ça. Et puis il y a deux euh, deux, 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 deux chapitres, euh, un plus gros chapitre, hein, des chapitres d'une cinquantaine de pages chacun, euh, qui, faut, qui, ont, qui sont un succès immédiat dans Wiki Shonen Jump. Donc il faut absolument continuer l'œuvre. Et là, euh, bon, Ara, c'est un bon dessinateur, un très grand dessinateur, mais c'est pas forcément un très grand scénariste, bien qu'il ait... Euh, quand même une belle formation, puisqu'il a été l'élève de Kazuo Koike. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kazuo Koike, c'est euh, Lone, Lone Wolf and Cub, Baby Cart, Lady Snowblood, et tout ça, et qui lui a surtout appris à écrire, puisque le dessin hein, qui, lui a, qui lui disait, toi, ce qui te manque, c'est de savoir euh, approfondir tes personnages, mais ça n'a pas suffi, donc on a été chercher un taulier du scénario, qui était euh, qui était euh, Bouronson qui lui a... Euh, bah, dit bah, « On va apprendre pour, pour, pour vraiment commencer la série, on va euh, avancer de plusieurs années, on va se retrouver dans les années 90. » Alors, pour eux, c'était le futur, hein, les années 90, puisqu'on est en 83. « Et on va, euh, et on va euh, faire du monde de ketcho un monde post-apocalyptique et on va s'inspirer de Mad Max 2 pour le faire. » Alors, en fouillant, moi, je trouve, parce qu'on a souvent dit que c'est de la paternité de, de, de l'influence post-apocalyptique qui était de Buronson, quand on voit les travaux, les travaux de, de Hara euh, avant ça, qui déjà baignait beaucoup dans le post-apo, je pense que c'est une, une, une influence qu'ils partageaient tous les deux. Hein. Même si officiellement, c'est vrai que c'est Bronson qui va déplacer les choses. Il voulait un Kenshiro plus vieux, il ne voulait pas un étudiant. Donc il a dit, on va avancer dans le, dans le futur, on va en faire un gros costaud, bien viril et bien mûr, et, euh, et euh, bah, on va le mettre dans le, dans le monde post-apocalyptique où il n'y a, a pas d'armes, ou en tout cas très peu. Et euh, ça sera le meilleur mo moyen de sublimer son art, euh, son art qui est un art qui se fait à main nue. Hein. Et alors, lui va s'inspirer, par contre, pour Ronson, pour créer le background des écoles d'arts martiaux qui sont euh, le Hokuto euh, Shinken, mais aussi, euh, alors, il a la grande rivale du, des, des, des premiers, euh, du premier arc, hein, on va dire, hein, qui est le Nanto Saiken, par exemple, hein, qui est un peu cette rivalité entre les deux, les deux écoles qu'on va retrouver dans. Dans Lui, il va beaucoup s'inspirer pour créer ses écoles et pour, euh, et pour euh, bah, créer leur background, leur historique à ces écoles. Il va beaucoup s'inspirer aussi du cinéma hongkongais, mais plus d'un cinéma type Show Brothers. C'est-à-dire qu'il va beaucoup s'inspirer de, par exemple, tout ce qu'on avait sur euh, la, la rivalité entre Wu Tang et Shaolin dans plein de films. Ça, ça va constituer aussi euh, euh, une bonne part de, de l'histoire de, 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 de du fond hein, de hokuto Ken, euh, tous ces films de rivalité entre écoles martiales alors on va pour faire simple hein, on pourra dire qu'il euh, va reprendre d'ailleurs le hokuto soke qui est l'école qui va donner naissance au hokuto shinken hein. elle, naît, euh, elle naît elle est complètement inspirée de l'histoire alors ça tu sauras mieux que moi arnaud hein, de la la rébellion des turbans jaunes qui se passe euh, il Me semble euh, en 200 avant notre ère, hein, c'est ça, je me trompe pas. C'était il y a bien longtemps, j'avoue que je me souviens plus exactement sous quelle dynastie, voilà. mais ça, ça remonte à avant. Et, la... et donc, voilà, et, et donc cette rébellion des turbans jaunes euh, qui a mis à mal une dynastie et qui était aussi une rivalité entre taoïste et bouddhisme, euh, bah, il va s'en servir pour créer deux écoles hein, le, 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 le Kuto Shinken qui est bouddhiste, le, le Nanto Saiken qui est taoïste et qui, en fait, ce sont finalement des ersatz de l'école de Shaolin et de l'école de Wutang. Oui. Pareil, on dit souvent que Shaolin, c'est les arts de l'intérieur, et que, et que Wutang, c'est les arts de l'extérieur. Bah, là, c'est pareil, on a le hokuto shinken qui bah, qui fait exploser les gens de l'intérieur, et puis on a le nanto saiken qui les cisaille de l'extérieur. Et, et donc, il va beaucoup s'inspirer de tout ça pour, pour créer pour créer son, son univers. Et alors, il y a d'autres influences. Bien entendu, il y a tout, toute l'influence de la pop culture américaine et des, et des, gros, des, des gros costauds de l'époque. Hein. Donc, au niveau du chara-design, on va s'inspirer de Schwarzenegger, on va s'inspirer de, de, euh, bah, de tous les héros, qui, 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 que, de Stallone, de, de Dolph Lundgren, comme tu as dit, de Mr. T, enfin, de tous les, les gros barraquets de l'époque, hein, on va dire. Hein. Et euh, on va aussi beaucoup s'inspirer, il y a beaucoup de références bibliques donc on s'inspire aussi de la Bible hein, dans Okutonoken. On peut dire que Kenshiro c'est un peu aussi une figure christique, hein, puisque de toute façon il est d'ailleurs désigné comme le Messie, le Sauveur. Hein. Euh, et euh, donc c'est aussi une figure euh, christique. Euh, on a son frère Toki qui est un Jésus-Christ euh, avec des muscles. Hein. C'est-à-dire, euh, il a une grande barbe, il a euh, une couronne, il a les cheveux longs, mais il a des biceps, euh, pas possible. Et, euh, et donc, on a toute cette imagerie. Alors, souvent, hein, c'est surtout pour donner un espèce de vernis que, que les Japonais adorent. Euh, les références bibliques sont pas, c'est pas quelque chose de, qui, qui, qui va dans la profondeur. Hein. C'est pour donner un aspect un peu épique, pour eux, exotique aussi hein, à leur à leurs univers. Mais on a, voilà, on a tout un. Tout un mélange comme ça d'influence que je dois en oublier encore, parce que ça fait, mais, mais c'est vraiment un, un melting pot de, de plein de choses et surtout de pein, plein de choses qui marchaient à l'époque. Hein, parce que, alors, pour des raisons de goût, parce que les, 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 les auteurs et les créateurs de Okutoneken aimaient ça, mais aussi pour des raisons de gain de temps. C'est-à-dire que qu'on euh, est toujours sur la brèche quand on fait un manga il faut rendre euh, semaine après semaine des chapitres. C'est un, un, un rythme de travail. Franchement, je pense inhumain. Mais bon, d'ailleurs, il y en a qui perdent la vie. Hein. Les, les mangaka meurent très jeunes. Faut pas s'étonner. Faut pas se demander pourquoi. C'est qu'ils ont un, un, une vie professionnelle de fou, de, de folie, et un rythme, de fou, un rythme intenable en fait. Et, euh, et donc, il faut aller vite. Donc, on va prendre ce qui marche. On va prendre, on va prendre ce qui nous plaît, et puis on va l'incorporer. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir des, des gens qui sont complètement calqué sur d'autres, hein. on n'a on, on a pas vraiment le temps de, de faire dans l'originalité, mais parfois ça fonctionne, alors selon moi dans Okutonoken ça fonctionne, on a bah, cet ensemble de choses, de références très marquées, euh, pas cachées tout ça, mais qui finissent par former un tout qui est complètement original et inédit, et c'est euh, selon moi ce, ce qui va aussi faire le succès de Okutonoken, en plus d'un style graphique qui va complètement chambouler les codes du, du shonen de l'époque, puisqu'on n'est pas du tout dans le manga à la Tezuka, on a Ara qui est, qui est très très influencé par ce qu'on appelle le Kegika, euh, le c'est-à-dire l'ancêtre du... ce qu'on appelle aujourd'hui le seinen, c'est-à-dire un, un, un manga plus adulte, plus mature, au trait plus réaliste, plus sombre, que dont lui, il est très fan, ben, on rappelle que son maître, hein, c'est Koike, qui est un, un des, des papes hein, de, du genre, et, euh, et, euh, et qui va incorporer ça dans le shonen. Donc, on n'est pas du tout dans un style visuel à la tezuka, mais on a un shonen qui a des, euh, des dessins très réalistes. Euh, alors, comme tu as dit, parfois très violent, euh, très cruel même sur certaines, dans, certains, dans certaines situations, qui vont aussi chambouler les codes du shonen et en faire un objet à part à l'époque. Hein. Quand tu as parlé des influences en ce qui concerne Kenshiro, proprement dit, tu as cité Bruce Lee, évidemment, tu as parlé également de Mel Gibson et de Sylvester Stallone. Alors, moi, j'ai lu quelque part, mais je ne sais pas si l'information est vraiment euh, valable, euh, que le personnage aurait également été inspiré de euh, Yusaku Matsuda. Yusaku Matsuda, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est surtout connu chez nous, enfin en Occident, comme étant le grand méchant du Black Reign de Ridley Scott. Mais ça a été une, une énorme idole au Japon dans les années 70, début des années 1980. Il était dans la trilogie du jeu de Toru Nakamura, qui est sorti récemment d'ailleurs chez Arrow en Angleterre. Euh, il est également dans un film qui s'appelle *Resurrection of the Golden Wolf*, qui est un film que moi j'adore. Euh, donc c'est un acteur très spécialisé, euh, polar noir, on va dire. Euh, mais donc qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'il a vraiment été une source d'inspiration pour euh, et Buronson, ou l'un ou l'autre D'ailleurs, peut-être que c'est plus l'un que l'autre. Alors il a été une très grande Matsuda, Il a été une très grande source d'inspiration pour son côté euh, bah, un peu impitoyable, hein, comme tu as dit. Euh... Euh, alors il y a deux deux grandes stars japonaises qui qui, 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 qui vont servir aussi un hein, de modèle pour pour Kenshiro c'est Matsuda et Takakura aussi Ken Takakura qui plus pour l'attitude euh, euh, l'attitude un peu désinvolte un peu parfois mutique euh, on va se servir beaucoup des traits de caractère de Takakura pour euh, créer le caractère de, de Kenshiro alors il faut savoir que ah, c'est des influences, t'as raison, hein. c'est des influences revendiquées par Ara, c'est plus Ara là, de ce côté-là. Alors il faut savoir que le père de Ara était un genre, pas un Yakuza, mais un, un gars euh, bien dur, bien costaud, euh, qui a, dont, dont Ara euh, a une grande admiration, parce que lui, il est un peu, bah, il a toujours été un peu chétif, euh, c'est pas un grand sportif et tout, et son père était très costaud, il faisait, des, euh, il faisait des sports de combat, il se bagarrait beaucoup, et il regardait avec son fils énormément de, de Yakuza gars de films de de films de gangsters, hein. donc il a grandi aussi en regardant, euh, eh ben, en regardant Matsuda, Takakura à la télé et bien entendu ça, ça ressort aussi, ça sert, ça sert de ils ont servi de modèle à, à, à Ara pour, pour faire Kenshiro il cite aussi euh, un, un acteur, euh, euh, le Kamen Rider euh, de 71, euh, Takeshi Hongo. Alors, le, le, le nom de l'acteur, c'est Fujioka, je, je, un truc <laughs> du genre. Et euh, c'est vrai que c'est rigolo de le voir, parce que euh, cet acteur, il a, il a quand même les sourcils bien, bien épais. Et, euh, et quand on voit Kenshiro, on, on peut se dire euh, qu'il y a peut-être euh, une relation euh, là-dedans aussi. Mais il parlait surtout du côté un petit peu... Euh, euh, héros ténébreux solitaire qui, qui va qui va aller euh, casser du méchant. Ouais, après, vraiment, c'est au fil des planches, euh, Kenshiro, euh, bah, au début, euh, on peut dire que c'est un mélange de Bruce Lee et de, et de, et de, et de Max Rokatansky, de Mad Max. Hein. Euh, bah, il a exactement la même tenue que Mad Max, il faut savoir que... Nous, on, le connu, on a surtout connu euh, Okutono Ken via Ken le survivant, l'animé, où, euh, où Kenshiro est en bleu, mais dans la tête de Hara, au début, il est en noir, il est en cuir, il a exactement euh, euh, le costume, les habits de, de, de Max Rokatansky. Hein. Et puis peu à peu, voilà, alors on va, il va, il va, il va être mêlé, bah, comme j'ai dit, hein, c'est aussi un gain de temps de se servir de ce qu'on aime et de ce qu'on connaît pour faire ses personnages, et on va mêler un peu du Matsuda, euh, du Takakura. Euh, du, euh, je ne me rappelle plus pareil, excusez-moi, j'ai un trou hein, le, de, du, 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 de l'acteur qui a fait le Kamen Rider. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, bon, on va avoir, un, surtout dans le deuxième arc, hein, euh, dans la deuxième partie de Hokuto no on va avoir un Kenshiro qui ressemble. De plus en plus, voir très pour trait sur certaines planches à, à Sylvester Stallone. Donc c'est vraiment un mélange de, de, de c'est un mélange de tout ça. C'est comme ça qu'on a créé euh, ce personnage. Et, euh, et ouais, pour les acteurs japonais, ils ont aussi, alors ils ont servi euh, euh, pour le physique, mais surtout aussi pour les traits de caractère, hein, pour l'attitude de Kenshiro. Alors, je vais à nouveau prendre ma casquette d'avocat du diable, euh, et euh, moi, quand, quand, quand on a mis en place cette discussion, je me, suis, euh, je me suis un peu interrogé, je me suis demandé pourquoi, en fait, je ne suis pas rentré euh, totalement dans l'univers de Kutonoken. Et euh, une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que ça tenait euh, au personnage de Kenshiro proprement dit que je trouve euh, trop invincible et euh, sans émotion. Alors c'est cohérent quelque part parce que l'inspiration principale, comme vous l'avez dit, c'est Bruce Lee. Bruce Lee, effectivement, il est quasiment invincible dans la plupart de ses films. Mais euh, moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me qui me gêne un petit peu. D'autant plus que euh, j'aime assez euh, l'école. Euh, Adverse euh, de celle du Okuto Shinken, celle du Nanto. Et je trouve parfois que euh, ces personnages-là, ah, qui sont potentiellement plus intéressants de mon point de vue euh, que Kenshiro, mais finalement sont pas aussi euh, développés euh, qu'ils pourraient l'être, et qu'ils servent un peu de chair à canon, et qu'au final, l'essentiel le, le, de l'intrigue est davantage sur le. Euh, la, la lutte interne au sein du Okuto euh, Shinken entre euh, Kenshiro et euh, ses frères. Euh, bon, Toki, il est un peu euh, en dehors du truc, mais euh, c'est euh, Raoul, surtout évidemment, Raoul en version française. Euh, et, euh, et je... de la version italienne, d'ailleurs. Ah. Et je ne sais plus, par contre, le nom du, de l'autre qui se fait passer pour lui à un moment. Euh... Jaggi. Jaggi, voilà, exactement. Mais donc, euh, qu'est-ce que. Enfin, est-ce que vous pensez que c'est un, un problème c'est un, un choix, tout à fait euh, cohérent et, et, et qui fait sens de la part des, des auteurs. Mais est-ce que il euh, y a ce type de réserve est recevable euh, d'après vous J'ai envie de défendre. Mon Kenshiro, parce que en, en vérité, moi, ça, ça me fait du bien des héros qui, qui qui ferment leur bouche de temps en temps et, et, je, et la grande mode des des, des, des des shonen qui ont qui ont marché et qui ont été concurrents à, à notre personnage euh, de Kenshiro, c'est ceux qui vont revendiquer l'envie d'être plus fort, toujours très souriant, qui qui quoi qu'il arrive, l'amitié c'est important et ils vont et ils vont les sauver ces potes hein, parce que quand on regarde des concurrents, que ça soit euh, Sen ou Dragon Ball, et eh ben ils vont sauver ses potes. Kenshiro lui, il n'arrive pas à les sauver, et on commence l'histoire avec quelqu'un qui n'a pas réussi à sauver. Kenshiro, c'est quelqu'un qui n'est pas sans émotion, c'est quelqu'un qui est triste. C'est une émotion, et il est très mélancolique, il est très, il est, il est dans une douleur perpétuelle parce que tous ses frères l'ont trahi. Son meilleur ami a enlevé sa meuf et euh, quand, il le, quand il retrouve son meilleur ami, eh ben, euh, il, euh, eh ben il l'a il soi-disant euh, tué, tu vois, s'adulcine. Donc en fait, tout, tout est fait pour être renfermé. Donc si on commence par un personnage qui va euh, être plus joyeux, plus lumineux, on, on, on casse complètement l'esprit euh, de la série. Et je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer ce personnage et d'ailleurs dans les revivals des animés... De Hokuto no Ken, ils vont carrément l'enfermer dans sa mission de sauveur sans avoir d'émotion. Mais Kenshiro, aussi incroyable que cela puisse paraître, a déjà souri en fait. Il a déjà <laughs> souri et il a eu aussi des petits moments de flashback où on le voyait heureux. Et en fait, euh, il faut pas oublier que c'est un mec qui, qui, qui a connu l'Holocauste, c'est-à-dire que sa vie a changé. Avoir des gens heureux autour de lui, c'est logiquement absolument impossible et ça aurait été d'une incohérence euh, cataclysmique j'ai envie de dire donc ce personnage pour moi et c'est ce que dit Ara il voudrait faire que des Kenshiro tout le temps et ben je, 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 je le rejoins parce que Kenshiro c'est vraiment ce personnage ce cow-boy qui a vécu les pires atrocités et qui ok il n'a pas forcément euh, ce côté bah euh, ben, on va aller euh, on a envie d'amener euh, Kenshiro euh, en boîte de nuit ou boire un verre non mais en tout cas on a envie de se poser à côté d'un feu à l'instar de Ray et euh, des fois ne pas juste pas parler en fait et ressentir les choses et je pense que euh, en termes d'émotion Kenshiro ben c'est tout le contraire de ce que tu as dit c'est de l'émotion pure en fait c'est quelqu'un qui c'est un, un homme et ça ça me manque beaucoup ça me manque beaucoup dans les œuvres euh, populaires d'aujourd'hui où on met en place un homme qui qui, qui est euh, que je trouve qui pourrait être mature tu vois mais ça c'est plus trop ce euh, sera un, un autre sujet euh, c'est un peu euh, un peu difficile de lancer ça comme ça mais euh, disons que ouais Kenshiro je trouve que c'est c'est une boule d'émotion et on demande qu'à 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 être à ses côtés on ne dit pas qu'on va l'aider on veut juste euh, je sais pas il a quelque chose une aura absolument euh, unique ça n'existe pas d'autres personnages comme lui, je le trouve fantastique. On parlait de Violence Jack tout à l'heure, mais euh, Violence Jack, c'est juste un, 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 un titan. Euh, euh, alors, Violence Jack, Gonagai, suite euh, spirituelle de Devilman, années 70, tout ça. Et euh, euh, en fait, le, le personnage de Violence Jack, un mec qui tue des, 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 euh, des punks dans, dans un monde post-apo, lui, c'est vraiment... Euh, un, juste un monstre, un, 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 quelque chose de non humain qui, qui tape des, des punks. Et il y, y a pas, il y a très peu, il y a quasiment pas d'émotion dans ce personnage de Violence Jack. Kenshiro, c'est tout le contraire. Et surtout, ça passe, putain, j'enchaîne, désolé, euh, sur, sur les, les, émo les émotions du trait. En fait, c'est ça aussi qu'on parle pas assez, c'est que Ke Kenshiro et Tetsuhara, il a un trait qui fait que quand tu vois le, les dessins, et même dans l'anime, mais avec d'autres artistes, il y a de l'émotion qui passe à travers les yeux, les silences. Important dans, 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 dans cet animé, dans ce manga, dans ces planches, il y a de l'émotion dans, dans, dans tous les recoins de, des pages de, de Hokuto no Ken. Voilà. Merci pour cette défense passionnée. Euh, et en ce qui concerne la, la manière dont le, le Nanto est, est présenté dans euh, ah. la, la série, qu'est-ce que tu qu que en penses à ce niveau Est-ce que, est que, comme moi, tu, tu trouves que finalement, cette galerie de personnages qui est potentiellement intéressante ne peut-être pas aussi développée quelle pourrait l'être, Je suppose que ça va pas être le cas, mais justement, j'aimerais entendre tes arguments. Non, 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 je vais juste dire un truc. Après, je te laisse. Je pense que au niveau du développement et de l'approfondissement des personnages du Nanto, puis même du reste, mais surtout du Nanto, il y a quand même un petit fossé, un petit hiatus, une petite différence entre le manga et l'animé. Hein. Euh, dans le manga, bah, des, 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 des personnages comme Shin, comme, euh, comme Rei, mais dans l'anime un peu moins, mais quand même aussi. Mais Shin, Ray, Souser et tout ça, ils ont un background, ils ont, euh, euh, on essaie de comprendre leur motivation, euh, ils ont toute une histoire qui explique pourquoi ils en sont arrivés là. Euh, euh, Juda aussi, enfin voilà, il y, 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 y a quand même une écriture de ces, de ces personnages, mais c'est vrai que si on se base sur l'anime, bah l'anime est un peu plus restreint à ce niveau-là, donc je ne sais pas exactement si tu parles de l'anime ou si tu parles de Noken dans son ensemble, en fait. Oui, je parlais plus de, de l'anime, effectivement, de manière générale, même si ouais, non, j'ai lu quelques volumes du, du manga, mais j'ai pas lu le truc en intégralité, donc ouais. je vais pas m'avancer là-dessus. Mais plus de l'anime, effectivement. Ouais, donc Guillaume, dit... excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Eh bien, c'est c'est rigolo parce que en fait, dans on, on a peut-être tendance à croire que les personnages du Nanto sont, sont plus développés parce qu'en en fait, on, on suit notre personnage Kenshiro, les rencontrer. Donc forcément, il faut, pour euh, passer dans une certaine forme euh, d'émotion, quand il va vaincre son adversaire, avoir un, un background. Mais euh, tu disais que euh, l'animé euh, prenait peut-être un peu moins le parti d'expliquer. Mais je trouve que le manga est un petit peu plus expéditif, justement. Euh, parlons du personnage, le premier antagoniste de euh, Hokuto no Ken, euh, Shin, qui, est, euh, qui fait partie du Nanto Seiken, et euh, qui au bout d'un volume et demi euh, meurt en fait dans le, dans, le, dans le manga. Attention spoil, un volume et demi, il euh, disparaît. Et en fait, c'est le cas aussi de beaucoup des, de, des personnages dans le manga où euh, quand ils arrivent, et eh ben, ils ont le droit qu'à très peu de chapitres. Et l'anime, qui se veut être euh, plus euh, plus long, plus étendu, des fois assez. Euh, assez c'est pas toujours juste hein, quand ils essayent, ça se voit qu'ils essayent détendre quelque chose. Mais c'est les productions Toei Animation. On, on pourra aussi en reparler un petit peu, un petit peu plus tard. Mais euh, on connaît tous les épisodes de Dragon Ball où le combat va durer 10 000 ans. Et bien là, dans Okuto no Ken, les combats durent pas l'animé. Hein, les combats durent pas 2000 ans, mais il va avoir des, des, des trucs qui vont s'allonger en soi. Chine, euh, pour qu'on qu en vienne à bout, il y a 22 épisodes. Or, tu le lis en 20 minutes ton volume 1 et demi ou le, juste l'édition le, perfecte, le premier volume et en fait, Shin, tu, 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 tu l'oublies en fait. Et comment tu crées un antagoniste et ça aussi, c'est expliqué un petit peu dans, dans, c'est bien expliqué même dans le bouquin <laughs> c'est que en fait, quand tu, tu, tu essaies d'iconiser un personnage, eh ben, tu, tu le mets dans des situations qui vont te paraître plus, euh, euh, plus développées on va voir même des épisodes où Shin se, se, se bat contre des méchants aussi, hein. ça va être des, des choses qu'on ne voit pas dans le, dans, dans le manga. Et euh, c'est pour ça qu'on peut avoir cette impression que certains personnages du Nanto sont plus développés parce que bah, l'anime étire un petit peu ses, des, des fois des, des, des épisodes, ils font des hors-sujets pour, euh, pour euh, développer l'antagoniste et entre guillemets l'iconiser. Enfin, pas entre guillemets, l'iconiser tout simplement. Et c'est intéressant. Ce que j'en pense, c'est que les personnages du Nanto sont. sont sont un peu comme euh, on parlait de, des chevaliers du zodiaque où euh, on apprend on rencontre le nouveau chevalier d'or on sait son passé et on, et on s'attache à lui et puis il y a une tragédie et ben cette, cette construction des, des chevaliers du zodiaque se retrouvait aussi euh, trois ans avant, du coup, parce que Senseïa, c'est en 86, si je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que j'ai raison. 1983, Hokuto no Ken fait, fait ça, il présente un personnage, il lui crée un background, on s'attache, et il y a une tragédie, et à la fin, on a toujours cette image de Kenshiro qui porte euh, son, 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 son adversaire dans les bras, jusqu'à même l'enterrer, quoi. Oh my no... Est dans quelque chose de, 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 de super symbolique et, et, et ça crée des sentiments pour ses antagonistes donc quelque part si le nanto est plus développé je, je dirais pas plus je dirais autrement et euh, ça sert la narration et c'est toujours euh, passionnant de rencontrer un antagoniste dans okutonoken parce que on quelque part on veut pas qu'il disparaisse ne serait-ce que pour euh, des fois juste son, 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 son physique hein euh, Rey, en soi il accompagne beaucoup euh, kenshiro il veut sauver euh, sa sœur, il y arrive mais euh, ce, qui, ce qui est ce ce qui fait qu'on s'attache beaucoup à Rei c'est le, le fait qu'on qu qu sent que Kenshiro il ne va pas le sauver c'est encore ce que je disais avec Hokuto no Ken Kenshiro ne sauve pas comme ses, ses, les autres, dans les autres licences ses amis hein, il les voit souvent euh, même très souvent mourir et c'est ça qui est aussi une, une, for une force du, du manga donc ouais je pense que les, 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 les personnages du Nanto ne sont pas plus développés ils sont développés autrement pour les mettre en valeur dans, dans son récit c'est aussi une question pareil je reviens là dessus hein, sur le mode de prix public et sur l'écriture, je prends un seul exemple je prends le personnage de Chou, hein, qui est alors pour ceux qui voient pas trop bien qui c'est, Chou, c'est ce combattant qui sera finalement un personnage positif qui est membre du Nanto. Parce qu'il n'y a pas que des personnages des rivaux un hein, est et un ami de Kenshiro, c'est un membre du Nanto, Chou, c'est pareil. Chou, c'est un c'est le personnage qui a ses yeux balafrés hein, qui, 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 qui a des, des, des scarifications sur le visage. Au début, il arrive dans le manga, on le décide, on le crée, on crée son design et on ne sait pas du tout s'il va être un méchant ou un gentil. Et c'est au fur et à mesure de quand, parce que ça s'écrit sur le ça s'écrit comme ça sur le tas que on décide bah, que non finalement il sera pas un méchant alors on lui invente toute cette histoire hein, de collaboration d a, d a, avec sauser jusqu'à devenir son, son principal rival euh, et tout ça et tout ça euh, et, euh, et c'est aussi un mode d'écriture qui, qui est comme ça mais qui est pas propre à Okutono Ken qui est propre à, à, à pas mal de mangas après moi je pense que le personnage de Kenshiro il est vraiment là pour faire le lien entre tout entre tout ça hein. que, que Kenshiro c'est le lien bah, il est complètement de toute façon calqué suit euh, pas à pas le parcours du héros de Joseph Campbell, hein, euh, Kenshiro. C'est la figure qui va euh, faire le lien entre tous les autres personnages. Donc, euh, il est aussi important pour ça. Mais euh, je sais pas si on aurait pu le développer vraiment autrement euh, sans mettre à mal justement l'écriture du reste. Je sais pas exactement. Je sais pas très, très bien expliquer ce que je veux dire. Oui, euh, Guillaume. Non, mais je, je, je... En plus, je, je crois que c'est euh, bah, as tout à fait raison. Il fait le il fait le lien et euh, comme tu disais, comme tout s'écrit au fur et à mesure, Hokuto no Ken commence à avoir une, une vraie intrigue quand euh, ses, euh, ses frères apparaissent dans le manga. Parce que c'est vrai que tous les arcs du Nanto, c'est euh, c'est on arrive dans, dans, une, dans une dans une ville. Il y a un, un méchant qui, euh, qui, est, qui est qui est qui est absolument euh, horrible et euh, un despote qu'il faut éliminer Kenshiro l'élimine on passe on passe un petit peu au suivant c'est quand on a commencé à développer du coup l'intrigue entre les frères du Hokuto euh, que ça soit du coup euh, avec euh, Toki euh, euh, un petit peu avant Jagi euh, ah avant, Jaggi c'est le premier, ouais. Ah Jaggi, Jaggi c'est le premier. Ensuite Toki et ensuite Rao, on les présente. Là on commence à rentrer dans cette espèce de famille du du haut couteau et on développe et on essaie de voir mais qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer on, on, on a vraiment un début de de de, 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 de traitement sur la mythologie de ce qu'est Hokuto no Ken. et c'est dans la deuxième partie, ce que les gens connaissent le moins parce que ce n'était pas au club Dorothée, qu'on va avoir du coup tout ce développement centré sur, euh, bah, sur Kenshiro. Donc, en fait, au début, on n'a pas trop d'informations de, de, sur ce monsieur qu'il est mutique et qui, et qui, trans, et qui traîne sa... Ça, ça croit, je sais pas si on peut dire ça. Euh, et ben, en fait, dès la deuxième partie, on va, on va, on va savoir que, en fait, le couteau vient de Chine, qu'il qu y a des, d'autres branches du hokuto qui, qui sont nées le bien, le mal. Euh, il va avoir d'autres frères. Ça va être euh, vraiment, on va savoir comment il a fait pour arriver jusqu'à jusqu l'entraînement du hokuto shinken. Donc finalement, Kenshiro prend vraiment toujours plus de matière au fur et à mesure des volumes. Et ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ouais, là, le deuxième arc euh, qui a été euh, imposé, hein, imposé à Ara et Bouronson. au départ, ils pensaient finir avec, euh, spoiler, la mort de Rao. Euh, euh, ils pensaient qu'ils en avaient fini avec Ukutonoken à ce moment-là, mais vu le succès, on les a forcés à à créer autre chose. Alors, euh, il y a des critiques, on peut en penser ce qu'on veut. De, moi, j'aime beaucoup hein, le deuxième arc de Hokuto et je l'aime beaucoup justement pour ça, parce que justement, ça a été l'occasion euh, pour eux d'approfondir vraiment euh, l'histoire du Hokuto Shinken, l'histoire martiale de ces écoles. Euh, de ces écoles, de ces écoles martiales, hein, euh, euh, alors le Gento Koken qui va arriver, le Nanto Saiken et puis surtout l'histoire du Hokuto Shinken avec ses subdivisions et tout ça, son historique très influencé comme j'ai dit par l'histoire chinoise hein, euh, et, euh, et, euh, et 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 aussi tout le tout le background de, de euh, de, de, de cette histoire entre ces quatre frères. Hein, qui, euh, qui, euh, qui, euh, le deuxième arc, on, on a beaucoup de flashbacks, qui fonctionnent beaucoup par flashback où on explique plein de choses dedans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui prennent une épaisseur qui n'était pas, euh, qui était moins là, en tout cas, euh, dans le premier arc, que tout le monde préfère, mais qui est finalement euh, 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 moins approfondi au niveau de l'écriture des personnages que le deuxième. Alors, Le manga a été un gros succès. Euh, ensuite, il y a eu l'adaptation animée. Est-ce que euh, Okutono Ken est devenu un véritable phénomène dès le moment de la publication du manga Ou est-ce que c'est vraiment l'animé qui lui a permis de s'imposer comme un monument de la pop culture japonaise Dès le manga. Alors, moi, je, te, je te laisse, Paul, c'est toi qui, 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 euh, qui sais euh, exactement. Les, je, je crois qu'il s'avait vendu des, des, des millions. Non, ça a été un carton. On en parlait. Euh, on en parlait euh, au début de l'émission. Euh, le, le manga dès le premier chapitre c'est un, un, un succès un succès ex explosif à tel point que euh, en fait euh, euh... Des fois, dans certains, euh, alors on parlait du Shonen Jump tout à l'heure, le magazine de prépublication où il y a plusieurs mangas à l'intérieur, et ben il y avait aussi des, euh, des... ils faisaient aussi à l'intérieur des tests de jeux vidéo, par exemple hein, entre les euh, entre les chapitres, il y, avait, il y avait ça. Et pour noter ces jeux vidéo, ils étaient notés en atatata. En fait, plus tu avais de atatata, et ben plus c'était euh, c'était bien noté. Et ça et ça, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là. Quand on quand ton manga devient euh, devient aussi populaire pour pour des choses de ce genre-là, euh, on peut dire que oui, il y a il y, y a eu un, un, un succès de un succès de malade. Et évidemment, l'animé qui arrive un an plus tard, euh, octobre euh, 84. Euh, oui, là aussi les gens. Euh, de toute façon, l'animé a toujours servi les adaptations animées. A, ont toujours servi à, euh, à mettre en lumière encore plus euh, l'œuvre euh, euh, originale. Euh, Kenshiro, Hokuto no Ken, c'était déjà euh, un truc de fou en termes de vente. Le, le dessin animé Harry pour appuyer le truc, ça, c est, c est, ça y est, ça devient une légende. De, C'est inscrit dans, dans, dans la culture à tout jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, on en parle encore. C'est euh, un mélange de tout. C est, c est, et ce mélange était bon, en fait. Il y avait vraiment, vraiment... Euh, une, une alchimie entre les gens qui adoraient le, le manga, ceux qui regardaient l'animé, euh, toute la génération aussi Club Dorothée, où nous, les Français, on a découvert ça. Et, euh, et bon, bah, pas toi apparemment, mais il mais tu, 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 y en a plein qui ont, qui ont kiffé, euh, kiffé cet animé, que je n'ai pas connu, hein, moi, je, je, cet animé, quand c'est arrivé au Club Dorothée, j'étais beaucoup, beaucoup trop petit, euh, euh, je... J'étais un bébé, je ne sais même pas si j'étais né, je ne sais plus exactement quand c'est assez arrêté, la, la, le, le dessin animé au Club de Haut. 88, il me semble. Eh hein. bien, <laughs> c'est l'année de ma naissance, voilà. <laughs> donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, entre ça, les jeux vidéo, le... La, la, la... Non, c'était un, un phénomène de malade au couteau no dès le jour 1. voilà. Ah, je reviens juste, moi, sur la réception. Comme toi, Arnaud, moi, je l'ai découvert. Euh... Je découvert avec le club de roté. Ouais, j'étais tout petit, hein, je sais plus, j'avais 6-7 ans. Je regardais ça. Et moi, par contre, ça a été une révélation. Ça a toujours été, Quel le survivant, ça a toujours été mon animé préféré. Alors moi, il faut savoir qu'à l'époque, euh, on venait d'avoir un magnétoscope à la maison que mon père avait ramené et qu'il avait acheté à un pote à lui qui lui avait donné plein de cassettes vidéo. Euh, euh, recopier, vous savez, alors c'était à l'époque on pouvait recopier des VHS, hein, et j'avais une soixantaine de films de Jackie Chan, de Bruce Lee, de La Chaubrosière, c'est ce qui m'a fait tomber d'ailleurs dans le, dans le cinéma hongkongais, euh, des petits en fait, euh, après j'ai eu une pause, j'y suis revenu et tout ça, mais moi c'était mes, mes héros, quoi, je regardais ça, je bouffais que ça, et c'était l'animé qui l'anime euh, bah, dans lequel je retrouvais ça en fait, euh, je retrouvais du kung-fu. Et euh, moi, c'est surtout parce que euh, c'était un animé où il y avait du Kung-Fu. J'aimais bien, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, euh, un animé qui me plaisait aussi à l'époque, qui s'appelait Judo Boy. Oui, oui, ouais, oui, je me souviens bien aussi. Ouais. Donc <laughs> voilà, pour moi, c'était ça, c'était Judo Boy, c'était Kenshiro. Beaucoup plus, même si j'ai beaucoup aimé Saint les Chevaliers du Zodiac, Captain Tsubasa, tout ça. On, on regardait ça, mais... Vraiment, moi, c'est ce qui m'a marqué et c'est euh, 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 ça, c'est qu'il y avait tout ce que j'aimais dedans. En plus de l'animation dont je suis friand, il y avait aussi mon autre grande passion qui est le cinéma d'arts martiaux. Et, euh, et ça regroupait un peu ces deux trucs-là. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on en est, qu est venu à écrire ce bouquin. C'est parce que quand Ferd nous ont euh, proposé d'écrire un bouquin et tout ça et tout ça. Moi, moi j'ai proposé pas mal de, de sujets en congé. Et ils m'ont dit, euh, on va en vendre 12, donc t'as pas autre chose. Et puis je me suis dit bah écoute on va faire un truc qui fait le lien c'est au no parce que ça me permet et on va voir d'ailleurs pour les gens quand vous lirez le livre que finalement aussi au euh, no ça permet de parler de pas mal de choses dans le cinéma hongkongais hein. euh, euh, on peut parler de Liu Cha Liang on peut parler de Chang Che euh, et on peut parler de pas mal de choses qui, qui sont dans les racines hein, qui se trouvent dans les racines de au no donc moi c'est pour ça que ça a toujours été mon, mon truc alors je peux comprendre qu'il y avait de la violence euh, et qu'elle a choqué, et d'ailleurs elle a choqué à l'époque, parce que c'est un animé un qui a fait polémique, hein. euh, euh, mais j'avoue que moi, euh, moi j'étais euh, fou devant ça. Alors, justement, je vais rebondir par rapport à ça, ça, ça a fait euh, polémique en France par rapport au côté violence, qui peut se comprendre puisque c'était présenté dans une émission pour enfants, ce n'était pas exactement le meilleur endroit pour ça, mais qu'est-ce qu'il en a été au Japon Est-ce qu'il y a eu ce type de polémique, ou est-ce que c'est passé totalement comme une lettre à la poste alors, ça a été moins violent, moins virulent qu'en France, mais il y a quand même eu des polémiques. Ouais, il y a eu des associations de parents, euh, euh, des associations de défense de la morale. Euh, Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, des, des associations de parents en fait, hein, japonaises, qui ont euh, qui ont euh, qui ont râlé contre la violence du euh, du, du, du du manga et qui s'étonnaient de voir euh, euh, un manga de ce type. Euh, 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 comment dire, euh, être dans les pages du Weekly Shonen Jump qui est un shonen, mais c'est un débat euh, sans fin parce que c'est des, des c'est des polémiques y avait déjà eu Gonagai ou d'autres. Euh, Exactement. Euh, euh. Euh, c'est pas propre à no Ken. Euh, donc au Japon ça a été Oui, il y en a qui ont dit ah c'est trop violent ah c'est machin mais c'était pas un débat inédit euh, donc c'est passé un peu plus euh, un peu plus calmement on va dire en France oui on s'est demandé ce que c'était on a accusé euh, on a accusé la, le manga parce qu'il y avait des swastikas. Euh, euh, les gens ne savaient pas ce que c'était, ils ont pris ça pour des croix nazis, ou, ou parce qu'il y avait des gens qui avaient des, 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 y avait des méchants qui avaient des costumes euh, très inspirés par les costumes du troisième Reich, hein, des SS et tout ça. Bah, c'était des méchants. Il aussi oh au moment où il me semble qu'il y avait euh, Muscleman, euh, Kinouki Man, euh, qui y a se... eu la... était également un voilà. personnage qui avait euh, toute un... <laughs> tout une imagerie nazie. Donc évidemment, c'était passé. il voilà, n'était pas du tout un nazi en réalité, mais il y a, il y eu, la il y a Occident, eu la polémique les, les les starvan, les ouais. Les... Ouais. il y eu la juste avant qui n'a pas aidé donc en France voilà et puis après ça a pris une ampleur pas possible en France parce qu'on a des, des politiques comme Ségolène Royal qui, qui sont montés au créneau qui ont écrit un bouquin dessus qui sont dans les émissions hurlés contre la débilité et la violence de, de l'animation japonaise en prenant surtout Okutono comme exemple moi j'ai interviewé euh, euh, un monsieur qui s'appelle Takao Matsumoto qui était l'intermédiaire de la Toei en France et qui a vendu tous ses animés euh, euh, à, à AB Productions hein, euh, euh, et qui a lui affronté hein, ce torrent de trucs. Il a affronté très calmement et, euh, et, euh, et il disait que en gros, on a, bah, en fait, on, a, on avait deux cas de figure en Europe hein, parce qu'il a vendu ça dans toute l'Europe. Euh, ce monsieur, l'interview est disponible dans le AniMeland euh, 241, il me semble. Euh, et, euh, et il disait que par exemple, lui, on, bah, voilà, en Italie, on râlait contre les jupes courtes des filles des magical girls. Et puis en France, on râlait parce que au euh, Couteau c'était trop violent. Mais euh, bon, après, ça a fait partie. Moi, je pense que ça a fait, euh, ça a contribué à la légende du truc, en fait. Hein. Donc, oui, est quelque part. Finalement... Rappelons ouais. aussi que fin des années 80, début des années 90, il y avait une espèce d'hystérisation anti-japonaise liée au fait qu'ils étaient encore en surfé sur le le fait qu'ils avaient la, la, la bulle, la bulle économique. Qui faisait qu'ils étaient capables d'acheter tout un tas de trucs, d'exporter beaucoup d'éléments culturels, et ça, ça faisait grincer beaucoup des dents, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ce qui nous a valu des, des chefs-d'œuvre comme Soleil Rouge, Robocop 3, etc. Euh, et en ce qui concerne l'animé proprement dit, euh, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de de qui sont les gens derrière cet animé parce que finalement, la on... suisse Zodiac, on connaît souvent Shingo Araki, tout ça, mais le... les gens derrière l'anime Okutonoken, je pense qu'ils sont un petit peu moins reconnus comparativement. Alors, je laisse, Guilla... je laisse Guillaume parler de ça, c'est le... le professionnel de la question. Oh, merci, Paul. <laughs> Allez, on réactive le, le cerveau. <laughs> euh alors, euh, plus, plus connu, euh, je, euh, je, oui, oui, shingo araki, euh, shingo araki pour euh, et Nuchimi Imeno pour euh, senseiya. Mais, euh, mais, en fait, là, on parle de Kara designer, là, qui, qui, qui sait euh, qui, qui me dit qui va me dire le réalisateur des, des chevaliers du zodiaque, c'est qui, qui le réalisateur de chevaliers du zodiaque, c'est qui le réalisateur de dragon ball. au final, on retient beaucoup les dessins. et pour hokuto no ken, euh, transformer le dessin de hara pour le faire en animation c'est je, je sais pas si on, on se rend compte le, le, le délire que c'est quoi ça ça, ça ça a dû être pensé en amont ça a dû être tellement difficile qu'il a fallu qu'on chope un, un génie pour retranscrire ça et quelqu'un avec sa propre patte ce monsieur s'appelle euh, masami souda qui nous a quitté il euh, y a il y a quelques temps et euh, y a quelques années et ce monsieur a adapté et il a simplifié le trait de Hara tout en, tout en mettant sa, sa propre patte. C'était rigolo parce que Paul parlait de, de, de Judo Boy. Et, et je, je, je crois bien que notre ami Masami Suda avait, avait participé à l'animé. Donc ce n'était pas non plus un inconnu. c'était un monsieur qui est, qui est né de chez Tatsunoko Productions, qui était un, un légendaire studio animé avec beaucoup d'œuvres originales, notamment de super-héros virils. Donc, ce monsieur euh, qui, euh, qui, qui va adapter le trait de, de Hara pour euh, Hokuto no Ken, la, la, la série TV, euh, Seikimatsu Kyusechu Densetsu Hokuto no Ken en entier, c'est ça. Euh, octobre euh, 84, premier épisode. Et donc, euh, la série est réalisée par euh, le, euh, le réalisateur Toyo Ashida. Toyo Ashida, qui est. Euh, un monsieur qui a travaillé sur, sur tellement de choses, euh, le, le, je, je pourrais citer des connus, mais celui qui me vient en tête, c'est les, les euh, moumines. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et, euh, et, des, et, des, et des tonnes et des tonnes de séries. Et il a réalisé un autre truc donc l'année suivante. La, la, bon, je, je fais une petite aparté, mais que, que, que les gens doivent sûrement euh, connaître c'est ça. Hein voilà En 1985, il a ré, réalisé aussi euh, Vampire Hunter Day. Bref, tout ça pour dire que Masami souda s'allie avec, euh, du coup, euh, notre ami Toyo Ashida pour proposer un animé qui va devoir faire des, des, des concessions absolues. On ne peut pas montrer des, des, des personnages implosés euh, comme ça, avec des, des viscères de partout, des, des boyaux, tout ça. Donc, ils vont inventer plusieurs techniques de euh, censure, entre guillemets, mais qui, qui, est, qui est toujours avec une bonne idée derrière, c'est que au lieu de couper quelque chose qu'on a vu dans le manga, et ben on va le faire autrement, et on va montrer du coup ces implosions du hokuto shinken et les coupures du nanto seiken à l'aide d'ombres chinoises. On reste dans, dans l'esprit euh, artistique, et euh, souvent le, le sang va être d'une autre couleur. Euh, les euh, certains personnages euh, vont, vont, vont vont pas, on va pas voir euh, leur euh, euh, le, le... Alors, j'ai un exemple, à un moment, il y a, c'est très bizarre comme censure, à un moment, il y a une, 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 une petite fille dans le manga qui doit empêcher son, son père d'être pendu, donc elle, elle le soutient hein, pendant qu'il a la corde au cou, et bien dans le manga, c'est un petit garçon. Enfin, voilà, hein. dans, le, dans le dessin animé, c'est un petit garçon, pardon, excusez-moi. Donc, il y avait des, petites, des petits moyens d'atténuer un petit peu la violence du, euh, du, euh, du manga avec euh, que des idées artistiques. Et ça prend, quoi. Ça, ça, ça prend. Et moi, j'aime bien dire qu'il euh, y, a, y a un truc qui est rigolo. C'est que quand Kenshiro s'énerve, il fait exploser sa, sa, sa blouse euh, en cuir. Et euh, l'épisode d'après, ou même cinq minutes plus tard, il en a une nouvelle. Et du coup, c'est un code qu'on retrouve un peu dans, dans, dans tout ce qui est... Euh... Bah, on parlait de Senseiya tout à l'heure, mais moi je dis ma Magical Girl, on peut même dire ça. Donc il se trans sa transformation, c'est d'être torse nu, en fait. Et puis à la fin, bah, il n'a plus, plus de raison, donc bah, voilà, ça, ça, ça son habit son habit revient. Il y a plein de trucs, il y a plein de codes qui faisaient que, que, que l'anime le, le, était, était mythique. On a développé, comme je disais, un petit peu plus les, les personnages, les antagonistes. Au lieu d'avoir un volume et demi qui aurait été fait en, en trois épisodes, et bah, on a 22 épisodes pour compter les les Histoires de, 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 de Chine, du Nanto Seiken. Alors, bon, on dit 22 épisodes, mais il y avait surtout des, aussi des, des chapitres du manga qui étaient, euh, qui étaient un petit peu à part de, de l'histoire principale qu'on mettait dans ce début d'histoire contre Chine. Notamment des despotes un petit peu, euh, un petit peu euh, Osef, inutiles, mais qui, euh, qui apportaient euh, quand même son charme. Bah, ils avaient droit à leur, propre, à leur propre épisode dans, dans la série. Et puis. Euh, et puis Hokuto euh, puis no Ken, c'est la première partie, 109 épisodes, la deuxième partie, 40, 43, c'est euh, un premier film, c'est euh, deux, deux OVA, c'est ensuite un reboot de trois films, c'est une, une série spin-off, c'est aussi beaucoup de... Enfin, ça ne s'est jamais arrêté, euh, et, euh, et tant mieux, tant mieux quelque part. Est-ce qu'on a passé l'âge d'or de l'animation de Hokuto no Ken moi oui, je le dis, je le pense. Mais euh, cette époque, elle devait être, elle devait être folle quand les spectateurs voient euh, Kenshiro utiliser sa technique. Il y avait des trucs qu'on peut faire que en animation, c'est-à-dire que tu quand une fois qu'il l'appuyait sur les points vitaux de son ennemi, tu avais le, le décompte euh, du, du temps, hein, le chronomètre avant que le, le personnage implose. Mais je veux dire. Qui a fait ça avant qui, qui faisait ça Tout était nouveau, là. Tu, tu, tu regardes ça, t'as en plus des seiyuu d'exception, les doubleurs, les, 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 ceux qui font bah, la, bah, la voix de, de, de Kenshiro, qui était euh, Akira, qui est Akira Kamiya, mais qui ne double plus dans ses, dans ses nouvelles versions, mais euh, qui, euh, qui arrivait parfaitement à faire la voix très, très grave et puis monter dans les aigus avec les fameux Atatata. C'était... Euh, c'est un mec aussi extrêmement connu, Akira Kamiya, qui faisait justement, tu le citais, le personnage principal de Kinikuman, hein qui c'était sa voix aussi. Je parlais de euh, Masami Suda et sa, la magie de son trait. Euh, il faut savoir que dans le bouquin, euh, il y a la, la dernière interview que, que j'ai faite euh, avec lui quand il était euh, le maître était venu à Chambéry pour. Euh, pour, pour un festival euh, lors d'un salon. Je ne sais plus exactement le nom euh, que c'était, mais j'ai eu la chance de le rencontrer pendant une heure et on a discuté avec euh, l'interprète Pierre, Pierre Giner, euh, où on a vraiment beaucoup discuté de, 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 de Hoktonoken. Donc il y a cette interview euh, qui, est dans, qui est dans le livre, mais pas seulement, il y a aussi. Euh, euh, deux autres animateurs, parce qu'il faut savoir que euh, Masami Suda a été aussi maître de, euh, il, a, il a fait des petits dans, dans son art de, dessi de dessiner de cette, de cette manière si, euh, si atypique. Il y a son élève Junichi Hayama euh, qu'on a rencontré avec Paul. Là, c'est notre, notre interview. Elle est dans, dans le bouquin aussi. Et lui, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a travaillé ensuite avec des réalisateurs comme Satoshi Kon, pour ne citer que lui et euh, il a donné les premières, les premières heures de l'animation de jojo qui est un descendant aussi de hokuto no ken donc, euh, donc ça va être intéressant de, de, de pouvoir le retrouver et à côté de ça il y en a, il y a en exclusivité une, une interview de euh, hironobu saito qui lui avait euh, délibérément pris le parti de, de ne pas dessiner comme le, comme le voulait le chara designer de la série et qui venait de l'école shingo araki du coup c'est simple son style c'est des traits beaucoup plus fins à la sensei mais avec, toujours avec des corps massifs mais qui donnait une impression de enfin de, de son visuel, son émotion qui dégageait, c'est incroyable. C'est euh, quelqu'un qu'on a très peu entendu, si ce n'est pas du tout entendu euh, dans la sphère des fans de Hokuto no Ken. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, lui parler. Euh, on avait discuté euh, euh, lors de la mort de Masami Suda et on a, pu, euh, on a pu devenir proches et pouvoir dialoguer très souvent. Il m'a envoyé ses dessins. Et euh, c'était euh, vraiment une superbe rencontre, un peu, un peu tragique comment c'est venu, mais euh, il s'avère qu'il s'est prêté au jeu. Et il y a plusieurs pages d'interviews de, 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 ce, de, ce, de cet animateur de, de Hokuto no Ken qui, qui, a par, qui, qui fait partie de, de ceux qui ont le plus contribué à l'animer Hokuto no Ken. Donc euh, son trait, il est. Euh, moi, je le trouve formidable, c'est magnifique. Il y a vraiment un côté euh, qui tranche sec avec. Euh, avec euh, ce que voulait euh, le euh, caractère designer officiel, à savoir Masami Suda. Et ces trois visions, à savoir le maître, donc Masami Suda, son élève Junichi Ayama, et un autre euh, vétéran avec Hironobu Saito, ces trois interviews sont dans, le, sont dans le bouquin et on peut voir comment eux pensaient quand ils, euh, quand ils voulaient euh, transformer le manga en animé. Voilà. Un autre élément qui était marquant dans la série, euh, c'était également les musiques. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu oui, ouais, bien sûr, on va en parler. Évidemment, j'ai oublié son nom. Je... Non, c'est bon, attends. <laughs> Nozomi Aoki. Voilà, j'étais, je, je, je voulais voir sur ma note, mais j'ai réussi à pas regarder et à m'en souvenir. Yes! <laughs> Donc, euh, je suis content pour rien, mais ça va, je, je transmets l'émotion du, du bonheur. Euh, oui, 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 qu'est-ce que c'est euh, Ken, si ce n'est des, des, des mélodies euh, euh, inspirées de... Euh, de cet autre compositeur qui s'appelle euh, euh, Ah mon Dieu, comment il s'appelle Paul et moi euh, Ennio Morricone. Morricone, voilà. Morricone. Oh là là, ça, ça met longtemps, mais ça vient, hein, vous voyez, finalement. <laughs> Et, euh, et du coup, bon, bah, alors on a quelque chose de, 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 de complètement euh, mélancolique. En fait, moi je trouve qu'une des plus grandes forces de l'animé, c'est son ambiance et son ambiance musicale notamment. C'est euh, euh, Nozomi Aoki qui arrive et qui te, et qui te fait des, 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 des compositions qui prend au trip Il y a quelque chose de super mélancolique. On a beaucoup, euh, beaucoup euh, de cuivre, notamment. On a le, la, la, la trompette qui vient, qui vient euh, agrémenter les, 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 les marges de solitude de notre, de notre héros qui fait penser à, à un Kobe. Boy qui, qui marche dans dans, dans, dans le désert, c'est c'est somptueux et c'était un c'était un compositeur qui avait euh, qui avait euh, travaillé sur Galaxy Express euh, 999. Alors euh, je ne sais pas comment le dire en japonais, mais voilà c'était une œuvre de Leiji Matsumoto et euh, qui nous a quitté aussi et qui était extrêmement mélancolique où euh, c'était deux personnages qui voyageaient dans le train de, dans l'espace et qui et qui à chaque fois à fin d'épisode il y avait une, une morale qui était très euh, très triste et, euh, et ben ce même compositeur, il a travaillé sur la série. On retrouve ses, ses magnifiques musiques euh, durant euh, bah, les, tout, tous les épisodes de la série. Et je trouve que bah, pas parler de Okuto Noken euh, sans citer euh, le, euh, la musique, bah c'est juste pas avoir. être passé à côté de quelque chose parce que Okuto no Ken, c'est son ambiance, c'est sa musique. et je, 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 Vraiment, ces OST, c'était même sorti en France. À l'époque, les, 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 les OST, les albums de, de, de la série, euh, grâce à, je ne sais plus son nom, je, je, il devait intervenir sur, sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs j'ai une interview de lui, c'est dommage, elle traîne un peu quelque part, mais quand je reviendrai sur, sur le net, elle sera, elle sera bien, bien présente. Et donc, euh, ce, on avait eu la chance aussi d'avoir les OST en France, donc euh, voilà, ça, ça contribue à la magie à la légende Octonoken. Et maintenant, sujet euh, compliqué et polémique, euh, comme il se doit, la fameuse VF de la série animée. Excellence Excellence Qu'est-ce qui se passe encore C'est Toki, Excellence Et qu'est-ce qu'il a fait, Toki Tic-tac-Toki Quoi Il a fait Tic-tac-Toki, bizarre Il y en a qui sont très fans, il y en a qui détestent. Évidemment, je pense que quand on aime l'œuvre originale... On... C'est difficile de trouver cette vef euh, appréciable puisqu'elle en dénature quand même pas mal euh, l'esprit. Euh, après, je trouve personnellement qu'il y a une certaine tradition française, on va dire, dans ce registre. Euh, pensons par exemple à la dialectique, peut-être casser des briques, euh, pour les amateurs de films de kung-fu, qui avait repris euh, un film euh, hongkongais tourné en Corée du Sud qui s'appelle Crush, et où ils avaient fait une toute, euh, un doublage totalement nouveau et totalement délirant. Donc comme quoi, il y, a, il y a quand même une certaine tradition française, on va dire, euh, là-dessus. Mais donc vous, évidemment, je suppose qu'en tant que fan de l'œuvre originale, euh, cette VF est absolument atroce pour vous. Euh, moi, je pense alors... que Paul peut, 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 peut en parler mieux que moi, parce que moi, je n'ai pas connu euh, les, euh, la, la, la VF, je n'ai pas subi le choc. Et apparemment, quand on est gamin, on s'en aperçoit pas trop. Paul, c'est ouais, ça, c'est moi, je l'ai connu avec la VF. Euh... Alors euh, qui était euh, ce qu'elle euh, qui euh... alors comme moi encore une fois, hein, c'est comme les polémiques sur la violence de l'œuf. Je pense que ça participe aujourd'hui de la légende de, de cette série. Hein. Donc euh, en fait finalement, euh, bah, écoute tant mieux qu'elle se soit faite puisque ça permet qu'on parle encore de de, de Okutonoken. Après oui bah, moi quand je l'ai vu j'ai vu que du feu petit euh, j'ai pas fait attention euh, et, euh, et j'ai trouvé ça très bien. Je me suis aperçu du truc du je me suis aperçu du truc sur le tard. Euh, il faut savoir que cette, cette VF, elle a, été, bah, elle a été faite dans, dans ces conditions-là suite aux polémiques au départ euh, de Kinikuman. C'est-à-dire qu'il bon, y a eu ces polémiques avec ces croix qu'on qu estimait gammées. Euh, bon, après, voilà, il y a eu tout ce truc, comme tu as dit, un peu, pas anti-japonais, c'est un peu gros de dire anti-japonais, mais les termes qui ça, étaient ouais. employés quand, ouais, quand on parlait. Et de de l'animation japonaise à cette époque, on avait quand même des termes dans les articles, on parlait d'invasion, de, de choses comme ça, donc on était, on était un petit peu quand même dans le péril jaune, entre guillemets, hein, euh, et, euh, et ça a pas mal joué. Alors il faut savoir que c'était aussi en plus euh, quelque chose de pas, de pas flatteur de doubler de l'animation japonaise hein, à cette époque-là. On s'en vantait pas quand on était acteur, c'est des choses qu'on faisait. Parce, qu fallait, euh, parce que ça payait quoi. Hein, et, euh, et on faisait ça à la, à la chaîne, à la chaîne. Et ce dessin animé arrive. Donc il euh, y avait cette équipe-là, pareil. Pareil, j'ai un trou. Comment il s'appelle Guillaume, le, 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 le boss Philippe là des... Gouze. Ah là, Philippe Ogouz, exact, hein, qui, qui avait son équipe et qui euh, le regrettait Philippe Auguse. Hein, et, euh, et qui avait son équipe et qui, euh, et qui découvre ce dessin animé, donc déjà violent. Et puis... Euh, Dès le premier épisode, il croit avoir des allusions au nazisme. Alors après, moi, j'avoue que je ne comprends pas trop. Alors, les Zvastikas, il n'y en a pas dans les épisodes. Donc, on, il dit qu'il a vu des croix gammées là-dedans. Je pense qu'il confond avec, avec, avec kuma. justement. Il a fait un espèce de mélange. Et bon, il y a ces uniformes qui ont l'air de SS. Après, moi, je comprends pas trop la polémique parce que ceux qui portent ces uniformes sont des méchants. Donc, euh, bah voilà, des méchants qui portent des uniformes nazis. Je veux dire, dans Indiana Jones, on n'a pas allé. Donc euh, je comprends pas pourquoi là on râle, euh, mais bon euh, et finalement alors ce qui s'est vraiment passé ou ce qui ont il y a plein de versions il y a plein de choses on va dire que la version officielle euh, nous dit que ils ont vu ça qu'ils ont été horrifiés et qu'ils ont dit ah bah écoutez si nous on peut pas faire ce qu'on veut au niveau de de cette traduction euh, au niveau du doublage nous on ne double pas la série. Donc on leur a dit, parce qu'à l'époque, on s'en foutait en fait, un petit peu pas mal. Hein. C'était des choses qui se faisaient à la chaîne. On a doublé plein de séries qui n'ont jamais été diffusées, par exemple. Hein. Des... C'était on a acheté ça au kilo, ça ne coûtait rien à l'époque. Enfin, pour nous, hein. euh... ça coûtait ça coûtait que dalle. Donc eux, ils faisaient ça à la chaîne. Et puis au coup de ils ont décidé de s'amuser. Ouais. Donc euh... oui, ce n'est pas un truc très respectueux de, de l'œuvre. Et puis ça lui fait prendre une autre. Une, bah ça lui donne une autre ambiance hein, forcément euh, euh, mais bon c'est comme ça qu'on l'a découvert ils se sont amusés à faire des jeux de mots alors ils faisaient des paris euh, ils se donnaient des mots ouais, euh, cuisine euh, j'en sais rien moi euh, balustrade et puis il fallait arriver à le placer euh, à le placer dans le dans dans, 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 dans dans le cours de la traduction donc on a des choses complètement euh, complètement hallucinantes complètement euh, Pfff. Non, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce que euh, parce que ça y est, tout a été dit, bon, on l'aime ou on l'aime pas, ça fait partie de l'histoire du truc. Il euh, faut savoir que la même équipe a doublé le film de de Ashida, euh, de 86 du long-métrage qui est un très bon euh, qui est pour moi, euh, je pense le meilleur euh, le meilleur moment euh, animé de Okkuto Noken hein. C'est le long métrage de 1986 et, euh, et qui a fait là-dessus un travail par contre tout à fait sérieux et où on peut voir que c'est des équipes qui savaient travailler très sérieusement. Donc bon, ben bah voilà, ils se sont lâchés sur au couteau noken on les a laissés faire. Euh, je pense pas que ce soit très. Nous, on, en fait, on, on, on parle de ça dans l'intro du livre, mais euh, on laisse pas une grande place à ça. C'est pas quelque chose qui est pour nous. Euh, Finalement très important, ça fait partie d'une ça fait partie d'une anecdote. Alors Ara a été questionné là-dessus. On lui a dit Oh là là, euh, euh, ils ont fait n'importe quoi avec la VF, euh, ils ont euh, ils, parce qu'ils trouvaient que c'était trop violent, euh, donc ils ont tourné un peu le truc en, en dérision. Ils ont ils ont fait une espèce de, de parodie. Euh, lui a trouvé ça très bien, il a trouvé ça il a rien trouvé à redire. Il a dit ah non non mais c'est super. Donc euh, si même l'auteur en est content, on va pas voilà. Bon, bon, moi, après après je, je pense bon, pas qu'il était. Euh... Euh, je te coupe, désolé, je ne oh. pense pas qu'il était à côté de. Euh, qu était, pendant qu'il regardait le, le, la série en français, en il euh, y a quelqu'un qui lui traduisait Oui, là, il a fait un jeu de mots en français. Et je ne pense pas qu il, qu il, qu il ait, que ça soit possible qu'il puisse valider une version française sans comprendre exactement ce qui s'est oh. passé. Tu vois. Je ne je, je suis, je, je suis pas sûr. Mais c'est vrai que même dans l'œuvre originale, les implosions, les personnages faisaient des jeux de mots quand ils, quand ils implosaient. Donc il y avait toujours ce petit côté un petit peu une, une, un petit peu comique, mais ça s'arrêtait là. Quand, quand, il y a, quand je disais l'exemple tout à l'heure d'un enfant qui essaye de, de, de soulever son père en train de se faire pendre ou des, 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 euh, des civils se faire euh, tuer euh, violemment. Euh, évidemment que c'était 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 il euh, y avait une violence graphique certaine c'était pas que de la blague au noken alors que la version française moi je, je le dis tout de suite je me positionne je la hais je la déteste ça me fait pas rire je trouve ça nul et, euh, et je euh, et je trouve que ça dénature complètement le message de l'œuvre les quand on est petit même moi quand je regardais euh, city hunter ou dragon ball z je m'en rendais pas compte de leur de, de, de la médiocrité des, des, des dialogues et ce côté complètement puéril mais quand on grandit on s'en aperçoit ça fait mal on passe à la VO et surtout il y a un truc qui est bien pour la VF c'est que dès que c'était pour des, des OVA pour des films euh, tout ça et ben, d'un coup ils se remettaient en mode sérieux et là les VF étaient excellentes les VF de Dragon Ball Z par exemple c'était cool les VF de Senseiya, c'était vraiment euh, les films Senseiya, c'était très bien aussi euh, non vraiment c'était pas des mauvais doubleurs c'était juste une question de, 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 de trip qu'ils avaient envie de faire on adhère on trouve ça rigolo c'est bien, on veut prendre l'œuvre au, au 18e degré, ben tant mieux. Euh, C'était des, des bons comédiens de doublage à l'époque, ceux qui restent le sont encore. C'est juste que ça, pour moi, ça ne parlait même plus de l'œuvre en elle-même. Quand, quand Julia elle, elle se suicide et qu'il fait ⁇ Oh mon Dieu !⁇ Où était la barricade Appelez-moi cet architecte Elle est morte à cause de lui C'est ridicule, c'est ridicule, tu peux pas être triste après ça eh bah, bah si, ils l'ont fait quand même. Et je trouve que pour moi, c'est un, un manque de respect absolu, mais c'est pas grave, parce que ça a marqué une génération. Et si cette génération, elle est marquée, c'est cool. Est-ce qu'il y avait besoin de faire ça pour qu'elle soit euh, une, une série qui a marqué les gens Je ne crois pas. Quand on regarde nos, nos voisins italiens, il n'y avait pas ces jeux de mots. Et au c'est l'équivalent de DBZ chez nous euh, en termes de popularité. Donc non, il n'y avait pas besoin de faire tout ce, ce, ce jeu de mots pour que ça soit populaire. À noter que vers la fin de la série, il y a plein d'épisodes qui n'avaient pas été doublés parce que euh, Hokuto no Ken s'était arrêté au club d'eau. Et ben, il y a tout une, une, une bo un bon paquet d'épisodes de, de, qui a été redoublé de manière très très correcte, euh, très bien même, euh, et qui étaient et qui sont disponibles dans, dans les coffrets euh, quand, quand on peut les, les, les acheter sur, sur les sites dédiés. Voilà. Je reviens, je rebondis juste sur l'attitude de Hara. ce que tu disais, ouais, je, bien entendu, on lui a pas fait, on lui a pas fait écouter la VF, mais sur le principe, il a trouvé rien à redire. Mais il faut savoir que que ce soit Hara ou Bouronson, et surtout Bouronson, hein, ils ont souvent été très critiques vis-à-vis -vis des des versions animées de la violence. avait... c'est un peu euh, un peu bizarre parce que la violence, elle est encore. Euh, elle est encore plus visuelle, graphique dans le manga, mais euh, uh, Bronson, par exemple, est quelqu'un qui euh, a souvent euh, râlé contre la violence des versions animées. Donc, euh, je pense que les deux, ils étaient dans un truc de se dire, il bah, y a le manga et puis il y a l'animé, l'animé c'est pour les petits-enfants, euh, euh, autant que ce soit fait, euh, autant euh, adoucir le truc. Euh, et ils ont toujours été euh, dans ce truc de dire, par exemple, quand euh, les OVA de Shinokuto no Ken sont sortis, c'était dans les années 2000, hein, il me semble, hein, Guillaume, c'est ça, hein, c'est 2000. C'est euh, ça, Shinokuto... 2003, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Euh, et bah euh... pareil, euh, Bronson, parce que là, là on est d'un cran dans ces OVA-là, euh, dans la violence graphique, hein, où Bronson avait pesté en disant que, mais qu'est-ce que c'était que ce truc euh, où il euh, où y avait plein de violence, quoi. C'est euh... oh, rigolo. Parce que on le marque dans le bouquin. Au départ, il dit, oh, c'est super, allez voir les... les acheter les OVA de Shin Hokuto Noken. Et, euh, et, et, et il disait que c'était génial. Et une fois qu'il les a vus, lui, il a fait, oh, c'était quand même violent. Hein. Tu vois, il <laughs> y, avait, y avait ce truc-là. Et pareil pour le film de 86. Ils sont sortis euh, du, de la première séance. Quand ils l'ont vu, ils, ils étaient effarés. Et à contrario, ils étaient super contents de, de l'adaptation américaine. De oh. 95, c est, c est, où ils, étaient, ils, ils sont allés voir l'acteur, ils ont dit On n'aurait jamais vu euh, quelqu'un d'autre faire Kenshiro euh, que vous. C'est trop bizarre comme, euh, comme façon de, de réagir, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. <laughs> ah, parlons voilà. justement du, du film de 86, qui est peut-être euh, l'aboutissement. Je ne sais pas si vous êtes sur la même euh, longueur d'onde que moi à ce niveau, mais je pense que c'est vraiment euh, le, le médium qui a peut-être atteint le, le, le plus haut degré artistique. Euh, en termes, alors évidemment c'est un long métrage donc ça, ça a plus de moyens euh, que la série télé euh, c'est plus ramassé aussi au niveau de l'intrigue ce qui de mon point de vue n'est pas forcément une mauvaise chose mais ce qui peut être discutable si on aime évidemment l'ensemble de la série, mais enfin, en tout cas le film d'animation de 1986 est quand même considéré comme un, un excellent euh, film et à juste titre euh, pourquoi, pourquoi faire un film qui récapitule euh, l'ensemble de la première euh, saison de la série alors que si on reprend à nouveau des euh, références un peu dans. Ce n'est pas exactement le même registre, mais bon, c'est les références qu'on a en tête en général. Donc, Senseiya, euh, Dragon Ball, quand eux, ils faisaient des films, ils faisaient des histoires inédites et relativement courtes. Là, on a quelque chose qui reprend l'intégralité euh, de la série et qui est également euh, quasiment deux heures. Donc, un, un métrage beaucoup plus long comparativement. Est-ce que vous savez à quoi ça tient Pourquoi ce choix a été fait là Non, moi, je n'ai pas, pas d'éléments de réponse. Après, c'est quelque chose qu'on a souvent vu, hein, l'adaptation en long métrage, c'est-à-dire le fait de ramasser des épisodes. Euh, alors, ça se fait souvent sous forme d'OVA, hein, c'est vrai, quand, euh, ce, ce genre de, de choses. Et d'ailleurs, souvent, on reprend des bouts de la série animée pour, euh, pour faire un long métrage qui, parfois, narrativement, euh, pose problème, justement, à cause de ça. Euh, donc, c'est quelque chose qui se faisait. Euh, là, ça n'a pas été le cas. On a décidé de tout refaire parce qu'on voulait un niveau visuel plus élevé que, que celui de la série. Hein. Et euh, alors, ça reprend, les, euh, ça reprend en deux heures un peu la trame de la série, tout en... Euh... En, en, en coupant certaines parties, ouais, en, en coupant, en coupant, coupant certaines, 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 parties. certaines arcs. Euh, c est, c est... Mais comme tu dis, c'est un truc qui était très courant, mais c'est encore aujourd'hui le cas. Hein, quand il y a des films récapitulatifs euh, de séries populaires, c'est, euh, c'est, on voit ça dans. Euh... Euh, Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans, on voit ça. Il dans... y, y a plein de films qui sont des, des espèces de films récapitulatifs. Là, ce qui était bien avec Tonoken c'est que ça choisit vraiment d'avoir aussi euh, une vision. C'était pas juste un produit euh, commercial. Il y avait vraiment une intention euh, artistique. Avec, euh, bon, ils essayaient de miser quand même sur le fait qu'il y, qu y aurait un maximum de, de combats dans les pubs, mais il y a quand même cette, cette envie de faire les, les choses bien et faire les choses bien. C'était pas juste proposer un petit, euh, un petit film de euh, 30-40 minutes comme, euh, comme euh, euh, les, les films de Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z et euh, les films de Sensei. Mais c'est un peu. Alors, c'est rigolo parce que euh, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, euh, Paul, mais en fait, dans, dans certains films Senseïa, en fait ça reprend le, 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 des, des arcs de. Euh, de euh, de la série où ils remplacent juste les, 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 les personnages de la série par des, des, des nouveaux méchants. c'était je, je me souviens que, par exemple, si on prend le premier euh, film de Dragon Ball Z avec Garlic, où euh, ils prennent en otage. Euh, Gohan et euh, que Goku fait un team-up avec euh, Piccolo pour aller le sauver, c'est la même histoire que pour euh, Raditz, en fait, l'arrivée de Raditz. Ceux qui connaissent un peu Dragon Ball Z comprendront, euh, comme on parlait de, du premier film de Sensei, qui s'inspire aussi euh, des, je, je pense, des, euh, des Chevaliers Noirs de la première partie euh, de, euh, de Sensei. Ils vont me hurler dessus, ceux qui connaissent vraiment, mais c'était un fait. Beaucoup de dérivés animés reprenaient soit... Euh, le, euh, le, euh, le ce qui se passait un peu dans le euh, dans, dans, dans le manga dans le l'animé euh, de là où ils en étaient soit ils essayaient de faire des espèces de de euh, de films qu'on voit aujourd'hui des films récap au no Ken, c'était euh, vraiment le le, le le meilleur des deux mondes où ça pro proposait un récapitulatif mais qui n'était pas un simple copier de la série ça a été remanié euh, en termes d'écriture en termes de, 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 de euh, euh, de, de combat qui n'étaient pas exactement euh, les mêmes non plus c'était vraiment euh, ça donc on avait l'ambiance de de, de de la série animée donc avec toujours le staff euh, toyo Toyohashida Masami Suda au design sauf que c'est euh, plus la même musique c'est Hattori, mais que c'est très très bien c'était euh, euh, le compositeur c'est plus euh, Na, Na, Naoki euh... Euh, Aoki, Nozomi Aoki, c'était euh, euh, Katsuhito Hattori, quelque chose comme ça. Et euh, tout le staff est là, ils se concentrent et, ils... et ça propose vraiment une vraie, une vraie œuvre valable. C'est pas juste pour essayer de mettre euh, euh, en avant le manga ou le dessin animé. Je, je trouve qu'ils ont fait un vrai, vrai film d'animation qui se tient tout seul où on n'avait pas besoin de connaître le dessin animé ni le manga euh, pour, pour apprécier le film. Et c'est ça la grande force de ce film-là. quoi oui, après, moi, j'ai aussi, après, aussi sur le fait que pourquoi on n'a pas repris, euh, par exemple, un arc inédit ou quelque chose comme ça, bah, enfin, moi, j'ai mis un peu l'hypothèse, c'est qu'il n'y en avait pas, euh, c'est-à-dire que les choses avaient été traitées euh, par la série, et que, euh, pas, et que euh, mais oh, Ara et Bronson, ils étaient encore en train de publier, encore en train de concevoir à ce moment-là, et je pense qu'ils n'avaient euh, pas le temps euh, de se pencher sur une nouvelle histoire, et qu'on a dû faire aussi avec ce qu'on avait. Donc on a, on a pris ce on, on a pris le, le, le manga le premier arc au et on en a fait une nouvelle interprétation. Je pense que c'est aussi 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 ça qui qui, qui a joué, c'est que n'y euh, y avait pas d'histoire d'autres histoires disponibles, en tout cas d'histoires créées par, par, par les auteurs eux-mêmes. Euh, je pense aussi que ça a joué sur le fait qu'on n'a pas fait quelque chose de une autre histoire, c'est qu'il n'y avait pas de d'autres histoires disponibles à ce moment-là. Je reviens, c'était Katsuhisa Hattori, le compositeur du, du film. J'ai un, un peu mélangé tout. Euh, et puis, si on, se, si on veut faire un récapitulatif de, de juste en faisant le stricto sensus qu'il y avait dans le manga, euh, je, je pense que ça aurait ça aurait été très, très, trop rapide. En dix minutes, on aurait eu Shin. Dix minutes, on aurait eu un autre personnage. Ça aurait enchaîné. Je trouve que là, on a vraiment, on a vraiment quelque chose qui. Même s'il y a plein de, de moments de, de baston, je trouve qu'il y a des moments aussi de, de calme dans ce film, même s'il y a beaucoup d'action. Je trouve, je trouve notamment que, que le, 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 le Kenshiro qui marche à la fin pour aller se battre contre. contre Contre son frère, il marche dans le, dans le désert avec le, le début de song qui, qui arrive et, euh, et le, euh, le, le, le combat de, de rei et Rao en fond. Je trouvais que c'était super. Tu avais des moments où il euh, y avait vraiment des, des, des nouvelles choses dans ce film-là, notamment les auras. Les, donc les, les auras des personnages, euh, quand ils s'énervent, ils, ils ont une énergie qui les entoure, euh, qui sera repris ensuite cette technique d'animation pour euh, les Chevaliers du Zodiaque. Je sais qu'on parle beaucoup de ces mêmes titres, mais c'était vraiment ceux qui, qui étaient les plus populaires euh, à l'époque. Donc euh, euh, le film sort en 86, fin d'année. bah oui, Sanseiya débute et les auras du Cosmos s'étaient pris de cette technique euh, qu'on voyait dans, euh, dans le film euh, Hokuto Ken de 86. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et il oui. y a des, eu des changements aussi. Par exemple, dans le film de 86 il y avait des bandes annonces qui montraient des personnages qui seront jamais dans, dans le film. Il y a une sorte de gollum, un moment, qui, qui, qui apparaît, un monstre qui parle en, en regardant les étoiles. Et ben ça, ça, ça n'y est pas du tout dans, dans, dans le film. Puis il y a des prises de risque. Je veux dire, rien que l'intro nous met dans, dans dans une dans une position inconfortable. Le film de 86, donc, euh, on nous montre des prairies, la nature, la vie, c'est beau. Et puis d'un coup, l'Holocauste nucléaire qui arrive et, et, et tout de suite, tout de suite, le film te dit, ça ne sera pas censuré. Ça va, te, on va te montrer. Alors, il y a eu des censures quand même, hein, On peut en parler. Mais on va te montrer les yeux qui tombent, les gens qui brûlent, les viscères qui tombent des ventres. Euh, là on n'a on... <laughs> on pas pu faire ça dans l'animé, mais là maintenant prépare-toi, on va te montrer ce, que, ce, ce dont on est capable. Et c'était euh, tellement, euh, tellement euh, cru. Parfois, il euh, y a eu, euh, euh, on peut le voir si vous avez euh, cette version-là euh, du film, ou même la première, les premières versions qu'on pouvait trouver à l'époque euh, en DVD. Euh, on a du coup toutes les séquences où il y a du sang très explicite qui sont un petit peu grisées. Du coup, c'est de la censure post-film, post en fait, euh, dont les Italiens se, se, auront une version euh, clean euh, de, de, de ce film sans ces, ces fameuses euh, censures sorties en support physique. Donc voilà, il y a plein de choses qui entourent ce film. C'est beau, c'est fluide, c'est euh, très respectueux de la violence graphique du manga. <laughs> du coup, Björnsson, bah, il a trouvé ça choquant, mais euh, il s'avère que euh, ce film, vraiment, c'est le, le pinacle graphique de la série. Les, les, les des, des, des micro séquences où Kenshiro va se tourner, c'est tellement bien animé. On a des, même dans, dans le détail, c'est ça qui était important dans ce film. Même le, les détails sont bons. Je veux dire. Un personnage comme Hato, qui est un gros bibendum et qui se fait tuer par Kenshiro, euh, dans le dessin animé, c'est tellement raté. C'est raté. Cet épisode est raté. C'est-à-dire en termes de, de mise en scène, l'animation le, 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 euh, le, est, est minimaliste. On ne rend pas hommage à ce personnage qui meurt en, en, deux, en deux pages dans le manga, hein, soit dit en passant. Mais dans le film de 86, c'est tellement bien animé, où son ventre se met à faire des bloup-bloup avant d'imploser, que ça marque le spectateur. Et euh, aujourd'hui encore, pour les 40 ans de, de, de la série, on a des costumes de ce personnage. Robbie Bendeau en pyjama pour dormir. Donc c'est que ça a marqué. C'est que ça a marqué. Même dans le roster des, des jeux vidéo, on mettait ce personnage. Et je pense que le film de 86 a réussi à sublimer ces petits ennemis qu'on estimait un peu, un peu nuls comme, comme, comme on pouvait en croiser euh, facilement dans, dans le manga. Bah ben non, tac, le film sublime les personnages. On en fait des icônes et aujourd'hui on, on les oublie pas quoi. Et il y a eu un autre film donc que tu as évoqué euh, qui euh, est moins coté, euh, le film de Tony Randall euh, de 1995 donc je me souvenais plus exactement de ça 95 95. Donc euh... Carrie Daniels dans le rôle de Ken Exactement, et c'est rigolo parce qu'il jouait un autre Ken dans un film de Jackie Chan <laughs> où euh, il, euh, il devient Ken de Street Fighter. Euh, donc je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, son rêve, c'était d'incarner. De, de, enfin, il, il a été élevé au film de Kung Fu, hein, Bruce Lee, c'est son rêve. Euh, il a été Ken avec Jackie Chan et il devient Ken dans le film. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire euh, sur ce film Donc il est fauché, il ne respecte pas, les réalisateurs ont voulu faire quelque chose d'un petit peu horrifique. Euh, le... Je pense que Paul peut en parler mieux que moi sur le, le staff du, du film. Donc c'est réalisé par... Euh, c'est ce euh, euh, Ouais, voilà, c'est celui aussi qui fait L de, le Hellraiser c'est ça Elrisa 2. Ouais, ouais. Le Hellraiser 2 qui est, qui est mon préféré et euh, qui est le préféré de beaucoup de gens. Et qui s'était euh, occupé d'ailleurs de... qui s'était occupé aussi du, de la version américaine du Return of Godzilla. Ouais, le Godzilla 84 qui est ouais. du coup sorti en 85 aux États-Unis, je crois. Et euh, ouais, Godzilla 85, et... je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, bon bah, c'est un film qui euh, qui, est, qui est fauché, qui a pas compris le le, le, le manga, mais qui essaye de, de faire bien. J'ai beaucoup d'affection pour ce ce film qui est malade. Et, euh, et, et quand on sait qu que le réalisateur a vraiment voulu mettre du sien, euh, il faisait en sorte que tous les acteurs aient très chaud pour qu'ils transpirent sur, et qu'on qu voit qu'ils sont, qu sont dans un monde post-apo, de, de désert, etc. Non, il y a vraiment une bonne intention, mais c'était tellement fa mal fait que si, si vous voulez, euh, Gary Daniel, euh, il, on l'appelait Monsieur Capote, parce que les trous qu'il avait sur son torse, ça ressemblait à des préservatifs. Donc, c'est pour dire à quel point l'intention y était, le résultat, est-ce qu'il y était Je ne crois pas, mais euh, j'ai beaucoup d'affection. Rien que le fait que dans ce film, euh, le, le, le Gary Daniels a, a, a rencontré sa femme et appelé son fils Kenshiro, je trouve ça magnifique. C'est des petites anecdotes qui, pour nous, c'est un mauvais film, mais pour des, des personnes qui ont participé, ça a changé leur vie. Donc, je trouve ça, rien que pour ça, je trouve ça touchant. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon film Non. Est-ce que j'ai passé un bon moment au début Non. Et puis à force de le voir plusieurs fois pour écrire le bouquin, j'ai fini par l'aimer. <laughs> voilà, c'est tout ce que je peux dire après dans le cadre des adaptations de manga c'est quand même pas c'est pas le bas du panier hein. il y a eu <laughs> largement pire ah, il, y a, il y a tellement il y a tellement de choses à dire si on compare avec les choses bien parce qu'il y a eu beaucoup de choses bien en termes d'adaptation on pense beaucoup aux mauvaises adaptations américaines euh, de manga euh, notamment ben, on parlait de Senseiya. apparemment il est pas il est pas bon j'essayais de le défendre hein, et puis finalement même Paul essayait de le défendre le film il vu l'a vu il y a pas longtemps il a fait ok bon c'est bon vous aviez raison c'est nul <laughs> Mais euh, quand on voit Old Boy, qui, a, qui a adaptation manga, euh, c est l'adaptation d'un manga, c'est génial. On n'en parle pas beaucoup, mais il euh, y a un, euh, I, am, uh, I Am a Hero, qui est un film de zombie qui était sorti il euh, y, a, y a quelques années, qui est une superbe adaptation. Euh, je, Kenshin. Y a... Kenshin, exactement. Il y, y a plein de trucs qui sont, qui sont bien. Donc, euh, on peut avoir peur quand, quand le, le, le film a un goût trop, trop d'emburger. Mais euh, il s'avère que euh, si, euh, si on choisit une bonne équipe et qu'on débloque un petit budget, je pense qu'on peut toujours faire euh, quelque chose de, de bien. Et Je pense qu'il a essayé de bien faire hein, pour, euh, pour le film de 95. Euh, les chorégraphies, c'était le, 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 le maître de Gary Daniels qui était venu sur le, 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 le plateau pour faire les, euh, pour faire les chorés. Euh, qui, qui, des fois, ils ont dû changer en cours de route parce qu'il fallait changer d'endroit, donc ça ne ressemblait plus à rien. Et surtout, il fallait filmer de près, du coup, ça gâchait les chorégraphies. Euh, mais le, le maître de, de, qui était sur, euh, pour faire les chorégraphies du film euh, de 95, il a rencontré donc euh, l'acteur qui joue Shin, dont j'ai oublié le nom. Le euh, euh, Mandy Lord. Et... Oui, voilà, et il est devenu le maître de, de, de Mandy Lord. Donc euh, quelque part, c'est cool. Je, je trouve que ça a fait plein de liens ces, ces, ces films-là. Ça... J'ai de la sympathie, j'ai beaucoup d'affection pour, pour ce, ce petit film. Voilà. Et puis on rigole ah, bien. La VF est incroyable. Je me permets aussi une petite précision, c'est que le film, en fait, est, on a tendance à dire que c'est une adaptation américaine, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est coproduit avec la Toei. Hein. C'est la Toei qui a initié euh, oui, oui, le oui, projet, exactement, et c'est euh, pour exactement. ça qu'il y a un certain exactement. nombre de, de personnes japonaises. Ah oui, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, comme on disait aussi, euh, je, et je crois que le film est, euh, je, 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 je l'ai écrit, j'ai oublié. Euh, le, le film a d'abord d'abord sorti au, au, euh, au Japon. En fait, oh, ouais. avec lavant première avec les acteurs, tout ça. Et euh, ouais, oui, dans, dans les règles de l'art. Le, le... c'est vrai. Le, le producteur euh, japonais qui euh, s'est occupé de, de ce film-là, s'est aussi occupé de, de, de films comme, il me semble, avec euh, euh, Mince. Comment il s'appelle ce, ce film? Euh, c -c -c -crying, Crying Freeman. Freeman. Ouais, je crois qu'il a été producteur aussi de ce film. Oui, exact. a une bonne adaptation de manga, par exemple. Qui est une bonne adaptation. Voilà. Excellent, ouais. Et euh, avec Dark, Ar Dark Arcos, j'arrive jamais à le dire. darkarkos Dark Arcos. je ne suis pas prêt. Qui est également <laughs> dans l'adaptation de Senseiya. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, 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 c'est vrai. vrai, avant que ça coupe, il devait avoir un, un film. Euh, en, en, le projet, avant de que ça soit donné euh, à, au réalisateur euh, ah zut, de, de Tony Randell, Tony Randell. Randel. Et, euh, et ben, il, il, il devait être confié à Steve Wang et euh, d'Akaskos pour euh, que ça soit d'abord euh, un, un film bah, produit par eux. Et quand ils ont vu que c'était impossible et que ça allait être euh, la merde, ils, bah, ils, ils ont fui le projet. quoi Le projet, ce n'était pas viable, ils l'ont donné, ils l'ont refilé. Voilà. Steve Wang, bon. ouais. ça, ouais, ça, ça aurait été intéressant, euh, Steve Wang. Ouais, ça aurait été cool le monsieur derrière Giver Exactement Alors encore une adaptation de manga oui, ah, en fait, tout le monde a fait des adaptations de manga et alors corrigez moi si je me trompe mais il me semble que il existe une version également pirate sud-coréenne une adaptation live ouais. oui. est ce que ça mérite d'être mentionné ou est-ce que c'est vraiment trop trop pitoyable Eh ben, dans le bouquin, on, on revient dessus, donc euh, c'est. Euh... Euh, c'est pas si inutile que ça, ça existe. Et en fait, ce film rentre plus dans la catégorie euh, Bruce mm -hmm. que euh, que euh, véritable adaptation. Alors, euh, le, le, le niveau de maturité du film, c'est vraiment euh, axé pour les enfants, en prenant comme modèle la construction du film de 86. C'est-à-dire que le film de 86, qui était étudié pour un public euh, qui n'est pas pour les enfants, là se retrouve euh, vraiment euh, pour euh, tout petit et, euh, et euh, avec un budget qui est, qui est, qui est ridicule. Et surtout, euh, euh, le héros imite Bruce Lee, en fait. Il n'est pas Kenshiro, il n'a pas... C'est Bruce Lee, c'est euh, ces petits cris euh, aigus. Euh, parce que euh, Kenshiro, quand, quand il fait ses, ses attaques de « ha-ta-ta-ta », à part ces moments-là, il va crier ses attaques, euh, tout ça. D -d Déjà, il n'y a pas de nom d'attaque euh, ni dans le film de Tony Randall ni dans euh, la version euh, coréenne euh, qui s'appelle « Boogoonion ». Je ne sais plus, je, sais, je suis désolé. Je ne le prononcerai pas. <laughs> et, euh, et quand même, à la fin... Du film, le combat Kenshiro contre Ao n'est pas si inintéressant que ça sur le plan euh, purement mise en scène. Alors, c'est vraiment, il faut, 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 faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est tourné dans, dans la pampa. Il euh, y a vraiment euh, décor, c'est zéro, c'est euh, pas beau, hein, c'est pas beau. Mais il y a eu quelques petites idées intéressantes, notamment l'échange le, le, de, euh, de s'envoyer des véhicules euh, à la main, qui est trop, trop rigolote. Et, euh, et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà. Ouais, c'est euh, un, souffre... hein ouais, un film qui souffre, de, euh, qui souffre de, de, ses, de ses moyens. Donc, on a des, des, des SFX euh, vraiment très, 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 très bas de gamme. Hein, et, euh et des, euh, des costumes euh, pitoyables, enfin voilà, c'est vraiment un tout, petit, un tout petit truc. De toute façon, c'est une version un petit peu pirate, semi-officielle, on ne sait pas trop bien le statut qu'elle a. Elle a était passée à la télé japonaise euh, euh, sans avoir les droits euh, exactement de, de la tourer. Enfin, ça a été tout un nombre euh, euh, ah, Parce qu'en fait, euh, à cette époque, en Corée du Sud, il y avait euh, une interdiction d'apporter de, de, des, des produits euh, culturels japonais ce qui faisait qu'en fait les, les Coréens du Sud reprenaient certains éléments euh, issus des trucs japonais, mais sans payer les droits, puisqu'ils se les réappropriaient de cette façon en fait. Mais ce qui ouais, mais le à le truc, est intéressant, c'est qu'à a... quel point l'œuvre originale était influente et réussissait à passer euh, à travers les, les frontières et pour euh, devenir également probablement une œuvre culte en Corée du Sud. Euh. Mais, elle a été, mais, mais le truc, c'est qu'elle a été faite et, et, et elle a été diffusée au Japon, à la télévision japonaise. Mais alors, ça, par contre, euh, ouais. je, 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 je ne me l'explique pas. Lors d'une émission, si euh, je ne sais plus, plus le nom de l'émission. Après, de après le oui. Excuse-moi j'ai plus le nom. Oui, alors, le film vaut ce qu'il vaut. Après, c'est vrai qu'au niveau. Euh... Alors C'est un film voilà, le, le, le comme, comme a dit Guillaume, moi, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, on est plus dans du sous-Bruce du sous Lee que du, que du Kenshiro. On a du Bruce Lee dans un monde post-apo en carton pâte. Mais euh, au niveau martial, il y a quelques trucs intéressants. On pourrait dire que c'est un film de, de kung-fu très honnête. Euh, ce n'est pas une très bonne adaptation de Okutono Ken, par contre. Non. Donc, voilà. ils ont les les... Il y a certaines traditions euh, d'exploitation euh, tendance browsploitation euh, en Corée du Sud avec euh, des euh, sosies officielles type euh, Dragon Lee euh, durant ouais. les années 70. Donc il y, y a effectivement, c'est un héritage qui, quelque part, est, est assez logique. Ouais. Euh, voilà. Après, non, il n'y a pas, pas grand-chose à en dire. De toute façon, euh, il est visible euh, très difficilement et dans des, et dans des qualités euh, on ne peut plus médiocres. Parce que je pense que ce qu'on a, c'est un VHS rip. Hein, c'est, on a, même je veux dire, c'est, et, euh, et euh, c'est, bon voilà, c'est pour l'anecdote. Nous, on en parle, mais euh, dans le livre, mais euh, non, c'est pas. Bon, on peut pas dire que de toute façon, euh, Okutonoken a été très gâté au niveau de ses versions live. Hein, on, peut, on peut dire que que c'est l'un et l'autre, pas terrible. Alors bien sûr, on peut voir des qualités par-ci, par-là, on, on peut avoir une certaine affection pour ci ou ça, mais les, 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 les adaptations live sont sont, sont, sont sont pas à la hauteur de, du truc. Nous, on a eu d'ailleurs un peu des, des, des discussions avec notre éditeur, hein, Ludovic Castro, que, que j'embrasse au passage, hein, qui nous disait, mais vous êtes sûr, vous allez faire une partie là-dessus, ça vaut vraiment le coup d'en parler, des lives, parce qu'il bon, n'en il voyait pas vraiment l'intérêt, donc nous, on a insisté. On dit, ah si, il ouais, faut quand même en parler. Quoi. Après, les gens se feront leur avis et nous, on donnera le nôtre. On n'a pas du tout dit que c'était des chefs-d'œuvre, mais euh, et ça fait partie de l'aventure de, de la saga au Kutonoken. Et donc, euh, ils sont euh, complètement pris dedans. Et en plus, alors pour la version coréenne, non, euh, mais pour la version américaine, elle est validée par, euh, par les créateurs. Hein, donc… Euh, donc euh, voilà quoi, c'est des choses dont on, dont on doit parler. Alors oui, ce c'est pas des bonnes adaptations. Euh, au niveau de l'action, euh, je préfère la coréenne. Et puis oui, après, ouais. au, niveau, quand, au niveau de la facture euh, globale, euh, même si ce n'était pas terrible, je préfère quand même l'américaine. La, Et parlons justement de la conception euh, du livre. Donc, comment est-ce que c'est créé votre dynamique euh, duo? Bah en fait, euh, moi, j'avais euh, été en contact avec Ferd qui, suite à des articles, euh, des dossiers que j'avais écrits... Euh, alors, je fais un gros bisou à, 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 à Sherry que de Dark Side Reviews, l'ancien HK Mania, à tous mes collègues euh, chez Mac Movies and Game, à, 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 mes, à mes collègues chez, à, chez, chez Animland, hein, bisous Bruno. Et donc, j'avais écrit quelques trucs et on m'avait parlé euh, ensemble avec, euh, avec les gens de Ferd qui m'ont dit bah, « ça serait bien euh, ». Euh, que tu écrives quelque chose, euh, propose-nous des sujets. J'avais proposé quelques sujets, euh, et puis après, on a fini par s'arrêter euh, sur Okutonoken. Et j'ai été invité par euh, Sébastien Abdelhamid, que je salue et que je remercie, qui euh, fait l'émission Clique dans la légende. Et il euh, et, euh, y avait un autre invité, enfin, il y avait deux invités il hein, y, euh, y avait Valentin, euh, un, un journaliste. Euh, un très bon journaliste de sur, la, de, le manga, sur le manga et l'animation japonaise qui travaille chez l'internaute et au Figaro, sans Valentin Paco. Et il euh, y avait ce monsieur, Guillaume Lopez, que on, dont j'avais entendu parler parce qu'on a des copains en commun. Donc, au moins, je connaissais le monsieur. puis, je connaissais la chaîne, je connaissais son travail puisque, comme je m'intéressais à Okutonoken, je, je connaissais la chaîne et euh, on avait plusieurs copains en commun, hein, en commun qui me disaient ah ben bah, ça serait bien que tu le rencontres et tout et donc finalement euh, nous on s'est appelé euh, on se connaissait pas à ce moment-là hein, on s'est appelé euh, pour se voir avant l'émission puisqu'il est venu de Grenoble pour euh, pour faire cette émission donc on a passé un bon moment ensemble avant de faire l'émission et puis euh, ça a collé euh, on a continué à se voir, à se parler. Quand il venait sur Paris, on se voyait et tout. Et puis moi, je parlais du bouquin. Je disais, voilà, au Ken et tout, nan nan nan, on parlait, mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Euh, euh, et toi, tu vois ça comment Donc on avait pas mal de discussions. Puis à un moment, je me suis dit, euh, euh, bah, quand même, c'est quand même fou que Monsieur Au ne fasse pas partie de l'aventure d'un bouquin sur Au serait quand même, Surtout qu'il est là. Et euh, comme on était devenus de bons copains de Très bons copains, euh, bah, je lui ai proposé déjà. Je lui ai demandé si ça l'intéressait et il m'a dit euh, que ça l'intéressait. Donc, après, on s'est rapproché de Ferd et puis je leur ai dit eh ben, en fait, finalement, l'aventure, on aimerait bien la faire à deux, on aimerait bien la continuer à deux. Et puis, euh, les gens de Ferd ont accepté, et puis ça s'est fait comme ça en fait. Et comment est-ce que vous, vous êtes, euh, réparti le travail Alors, je me suis plus penché moi sur le manga et sur les bios des, des auteurs, sur l'analyse thématique. Et euh, Guillaume a fait, euh, euh, beaucoup plus penché sur euh, tout ce qui a été a a version animée et live. En euh, mouvement, tout ce qui était en mouvement à peu près. Tout ce qui était en mouvement, hein, tout ce qui était sur planche, c'était pour moi, et tout ce qui était en mouvement, euh, c'était euh, euh, pour lui. En sachant que bien entendu, alors euh, il avait son mot à dire sur ce que moi j'écrivais pour le manga, et moi j'avais mon mot à dire pour, pour savoir. Euh, donc euh, je veux dire, on se réclame des deux parties chacun. Hein, les, le livre est à, est à nous deux en fait. Hein. On a vraiment fait les choses ensemble, on s'est relu, on s'est nani, euh, on, on s'est fait des remarques et tout. Mais la division du travail s'est faite fait comme ça. Hein. Tout ce qui est manga, c'est moi, et tout ce qui est animation et live, c'est Guillaume. Et donc, dans le bouquin, ça donne deux parties à peu près égales. Est-ce qu'il y a eu des sujets où ça a été difficile de trouver une. de, de s'harmoniser sur euh, l'opinion par rapport à. À ce qui est discuté, est ce que par exemple à un moment un d'entre vous était je sais pas très remonté contre un truc et l'autre très pour. Non non non. non. Euh, on n'a pas par exemple on n'a pas exactement la même vision du film de Gary, de, de Tony Randel, que moi j'aime pas. Je j'aime pas. Mais c'est lui qui s'est occupé de la partie. Euh, au début il l'aimait pas. Puis comme il l'a vu 260 fois 265 fois là, -bas, il a fini par trouver que c'était pas si mal que ça. Et, euh, je, et, et, et... Et euh, le point de vue se défend. Il a écrit une très belle partie sur le truc. Donc euh, non, non, j'étais très content et, je, et, je, euh, et je, 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 suis derrière lui pour pour, pour ce qu'il dit sur ce film là. Mais non, il y a jamais eu de. On a non, on a jamais eu. Jamais, de... jamais, il y a eu de, de problème. Moi, j'ai pas eu non, de. Non. non, franchement, ça a été, euh, ça a été euh, super agréable. Je crois que le truc le plus dur, ça a été de trouver un nom au au, au livre. Compliqué. Ah, je crois ouais, que ça a été franchement, ouais, c'était ouais. ça. Ouais. Ça, c'était compliqué, ouais. Parce qu'au début, on ne voulait pas appeler ça comme ça, on voulait appeler ça Okutonoken, les larmes et le sang. C'est ça. Et peur euh, de sortir je sais plus quel euh, je sais plus sur quel, quel livre qui avait un truc genre la chair et le sang, ou un truc, enfin, qui, qui ressemblait à notre titre. Et nous, on s'était arrêté là-dessus. Alors quand on nous a dit Ouais, mais on a un livre qui s'appelle comme ça, ça fait un peu pareil et tout. On a mis très longtemps à ce <laughs> ouais, ouais. sur, un, sur un titre. Ça a été très compliqué le titre. Mais, <laughs> euh, mais sinon non, ça a été un franchement, franchement, mais vraiment sincèrement, un très très grand plaisir, une très belle aventure. Et on a, moi j'ai adoré écrire ce, ce bouquin avec mon copain là. là euh, c'était franchement bien. super. Non non, c'était jamais eu de, jamais eu de galère, jamais. Euh, non non c'était vraiment vraiment top. L'écriture a pris combien de temps en tout, pré, euh, recherche et euh, écriture, ça a pris une petite année. Voilà. 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 Je, moi, je suis arrivé un petit peu plus tard. Je, 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 ça a dû prendre. Euh, ouais. Bon. Mais en fait, ouais. Mais en fait, moi, je ne considère même pas qu'il est arrivé plus tard. Parce qu'il est arrivé plus tard officiellement. Mais en fait, moi, quand on s'est rencontrés pour Clique, là, dans La Légende, là, c'était il y a. Il y a plus d'un an maintenant. Euh, j'avais signé le contrat et j'avais fait mon plan et tout, mais je n'avais même pas commencé à rédiger encore. Euh, ouais, du commence coup, ouais, à, ouais, aussi, je, com je commençais vite fait mes recherches et en fait à partir de ce moment-là, il a participé, Guillaume. C'est-à-dire que moi, je l'appelais, j'ai écrit ça, j'ai vu ça, qu qu'est-ce qu que tu dis de ça, qu'est-ce que c'est dis, il me disait, ouais, ouais, ah bah tiens, essaye de voir ça comme ça, euh, ah bah moi je pense que si, ah bah moi je pense que ça. Et en vérité, ouais, il a ouais, commencé ouais. à travailler sur le livre dès le début, sauf qu'à un moment donné, il le faisait parce que c'était mon copain et qu'il avait envie de, de m'aider à faire ce livre sur Ken, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, non mais c'est pas possible. Euh... Il est là depuis le début à, à le faire avec moi, il va le faire avec moi. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, pour moi, je considère qu'il n'est pas arrivé Guillaume. Il était là depuis le début. Ben, c'est ça, exactement. C'était trop bien. Moi, je n'étais pas habitué à, à écrire. Euh, euh, Paul, euh, euh, bah, il, a une, il a une super plume. Et, euh, et en fait, avec son, son, son style... Et son écrit, en fait, j'ai beaucoup appris de de, de de Paul dans la façon de rédiger. Euh, par exemple, je, je ça se remarque aussi quand je parle, je mets je mets peu de points et de virgules et, euh, et souvent souvent j'avais très envie de, de raconter plein de choses et euh, et ça a été vraiment un, un, un pilier pour pour même pour apprendre à à bien à bien rédiger et je trouve que que notre notre synergie nos connaissances tout ça ça ben je, je trouve qu'on moi je moi en tout cas je me ressors grandi et je suis je suis trop fier de, de ce qu'on a fait quoi est-ce que vous ouais. avez des espoirs par rapport à la manière dont le livre pourrait changer l'image que peut avoir Ken en France ah, franchement euh, je sais pas je, non je, nous on a fait un livre pour rendre euh, hommage à ça c'était les 40 ans je sais même pas j'ai pas j'ai franchement j'ai même pas d'idée de combien on va en vendre hein, moi personnellement donc euh, je, 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 je laisse ça. Après moi, je trouve qu'un que, un regret pour moi, c'est qu'on l'avait sorti pour les 40 ans. Nous, en se disant, euh, bah c'est l'année des 40 ans, ça c'est bien. Il va y avoir plein de trucs. Ça va accompagner toute une toute tout, 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 tout une flopée d'événements qui va. Euh, et finalement, il y a très peu de choses. Moi, je m'étais dit, par exemple là, on est en dédicace samedi prochain à la Japan Expo pour dédicacer le livre. Et moi, je m'étais dit que pour les 40 ans à la Japan Expo, il y aurait quelque chose. Et il n'y a pas gros, il y a rien à la Japan Expo, et puis au Japon, on a deux, trois expositions, euh, un hardbook un et deux goodies qui sont sortis. Donc, euh, bon, là-dessus, là, j'ai une petite déception. Je pensais quand même que l'année 2023 serait un peu l'année au Okutonoken, au moins au Japon. Mais ben bon, ça a été pareil pour Captain Tsubasa, ça a été pareil, euh, finalement, ils sont pas très forts pour les anniversaires. Et, euh, et donc, moi, je pensais que les livres accompagneraient... Euh, peut-être la sortie d'au moins d'au moins un OAV si c'était pas au moins un long métrage ou un reboot de quelque chose et finalement bah pour l'instant il n'y a rien euh, à part quelques comme t'ai dit quelques événements par-ci par là euh, donc voilà ouais, ça c'est un peu mon regret après à savoir si en France ça va contribuer à faire connaître euh, nous on a fait notre mieux euh, puis après, c'est plus entre nos mains, c'est dans les mains des gens. Est-ce que ça les intéressera de le lire Est-ce qu'ils apprécieront ce qu'ils liront euh, Voilà. Quoi, c est, c est, après, c'est plus, c'est plus à nous là. Mon côté, comme je, je fais partie d'une association euh, qui s'appelle Annie Grenoble, euh, je côtoie un petit peu le, le, les jeunes qui, euh, qui aiment. Euh, alors, c'est une association sur tout ce qui est manga, animation, pop culture Jap, et, euh, et je le... le... Le flambeau de Okutono avec les jeunes générations qui ont entre 18 et 20 ans, euh, il n'a il il, il a pas, pas été fait. Il, les, les gens sont plus habitués à ces, ces figures euh, euh, très viriles. Et quand je parle de Ken à ces, à ces gens-là, euh, ils, ils imaginent euh, Jojo en, en moins fun, en fait. C'est un peu comme ça. Ils voient un, un mec faire des euh, ata-tata et ils pensent que c'est uniquement de la baston. Et euh, un jour, on organise une séance où je présente au euh, couteau no Ken et euh, les, les gamins, ils sont. On, on montre l'épisode 22, le fameux épisode final de. Euh, euh, Shin contre Kenshiro et, euh, et ils disent, ils viennent vers moi et ils me disent mais je ne savais pas que c'était comme ça Ken en fait, je savais pas qu'il c'était il y avait de l'amour, de, 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 la, de la mélancolie, c'était c'était beau quoi. Et je fais bah oui, bah c'est ça Ken et en fait dans ce bouquin, et ben dans ce bouquin je pense qu'il y a tout, tout notre amour pour la série et si à un moment donné les gens ont envie de le lire pour se rendre compte que Ken, ce n'est pas juste de la bagarre. Il y en a un. Hein Et, Et c'est très bien la bagarre. Mais il y a tellement de d'autres thèmes, tellement d'autres choses que je pense qu'on peut, on peut redécouvrir un petit peu ou au moins donner l'envie de s'intéresser euh, au manga qui ressort actuellement dans une nouvelle édition ou à l'anime qui coûte vraiment pas, pas très cher sur des sites comme euh, euh, Ani, euh, Anim Store ou, euh, ou euh, Amazon ou autres... Autre, notre boutique ou même peut-être à Japan Expo, il sera. Euh, je, moi, vraiment, si les gens peuvent se livre si ça peut donner envie de découvrir un, un univers complètement euh, unique et qui a inspiré euh, les, les œuvres que, que les jeunes aiment aujourd'hui, bah allez-y, allez-y quoi. Je suis trop, je serais trop content que ça, ça permette cette petite étincelle. Voilà. Après, il faut, il faut dire aussi que la licence, a, ah bon, le, le manga s'est arrêté. Et puis après, la licence a été portée par des projets d'animation, des OVA, des, des films hein, aussi euh, dans les années 2000, qui qui avaient pour certains leur qualité, mais qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on avait eu dans les années 80. Et euh, je pense qu'aussi, la licence a pâti pas mal de ça. En tout cas, en, en tout cas en France, euh, du fait de bah, de la moindre qualité de, de 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 ce qui nous a été offert au niveau Kutonoken dans les années 2000, quoi. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça qui a joué. Il y a eu une carte qu'ils ont essayé de jouer euh, pour euh, faire revivre la licence. En prenant comme exemple un petit peu euh, euh, le, euh, les, les épisodes de Star Wars, on essayait essayé de réhabiliter euh, Dark Vador comme étant un mec pas si méchant que ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode 1, voilà. 2, 3 mmh. Et ben pareil pour Ken, ils ont essayé de faire tout un reboot avec... Euh, euh, trois films, deux OVA et une série euh, où on essaye de faire passer du coup Rao comme pas si méchant. Et là on retrouve aussi, euh, on en parlait au début un Kenshiro mutique dont la seule occupation c'est de, de suivre le scénar et rien rien pas de mélancolie, pas de tristesse, l'esthétique. Était, était, était bonne, on avait du Tsukasa Ojo, on avait du Shingo Araki, on avait vraiment toute une équipe pour soutenir le projet du moins graphiquement, mais euh, ça manquait aussi énormément de tunes, c'est-à-dire que ça bougeait pas très bien, les plans étaient pas toujours très beaux, ils ont dû refaire des retakes euh, à plus savoir qu'en faire, et le scénar cette réécriture qui était euh, presque des fois naïve, euh, on de, on il a, y, a, y a une OAV de, euh, OVA de euh, de euh, Yuria, la, la la petite amie de Ken, où on apprend des choses. Aberrante, c'est du c'est le révisionnisme d'Okutonoken, Noken Il y a des choses, je, on se dit mais c'est mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Elle en fait, Yuria dans, dans une autre dimension dans cette version alternative de, de cette de ce reboot de Okuto Noken bah, elle a des, des des dons de clairvoyance, donc elle voit tout ce qui se passe. Mais mais, mais, mais c'est c'est bête parce que si tu vois ce qui se passe, tu te fais pas enlever par Chine, tu vois. Enfin, juste des petits détails comme ça, mais ça se retrouve en Permanence dans cette, dans, 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 dans cette tentative de reboot. Et euh, ça a été peut-être bien parti. On a eu le premier film, euh, Junai No Show, euh, L'héritier, euh, en français, je sais plus, euh, qui, était, qui était sorti en France en 2006-2007, je sais plus, en France, 2008. Ah oui. et, euh, et en fait, il euh, y a eu deux, deux autres suites, elles ont, elles ont pas sorti. Hein. On a eu tout euh, ensuite en Blu-ray et DVD. Mais à partir de là, constat, Octonoken n'a pas explosé, euh, le, le, le revival n'a pas donné euh, d'engouement pour, 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 pour que ça continue. Tac, maintenant, qu'est-ce que c'est kotonoken Tout ce qui sort sur la licence, euh, c'est très, très parodique, en fait. Là, il n'y a pas longtemps, je t'ai envoyé un lien, Paul, avec des, une histoire où un mec il veut devenir Kenshiro, mais finalement, il devient ma soeur il hein mm -hmm. y en a un autre où c'est un isekai parce que c'est la mode des isekai on prend euh, Amiba et on le met dans un autre truc on fait passer Sauser pour, euh, pour euh, un personnage fan de Kenshiro en secret il y a vraiment que des choses qui sont très euh, très douteuses on ne prend plus le, le, la série au sérieux et pour ainsi dire pour les 40 ans qu'est-ce qu'on nous offre en termes de jeux vidéo Kenshiro ça serait un jeu de combat ça serait une aventure non on nous sert un, un jeu de danse un jeu ouais, de, de rythme, finesse, hein, de finesse. Hein. Donc, on, on, en, on en est à là. Et là, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de, de, de film animé, d'épisode, d'OVA ou je sais pas quoi, pour fêter l'anniversaire de ce, de ce monument de, de, du Japon. Hein. C'est Culturellement, au se retrouve de partout. Et, et, et non, là, pour l'instant, l'année n'est pas finie. Peut-être que ça nous fera mentir mais c'est vrai qu'on aurait aimé pour pour l'anniversaire quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus sympa on avait eu quelque chose d'un petit peu sérieux quand ils avaient fait un petit clip pour la coupe du monde de rugby où ils avaient fait un clip avec les personnages de Hokuto Nanto contre Hokuto sur sur un terrain c'était un tout petit clip c'était rigolo ils ont tenté de faire un, un, un jeu vidéo un peu sérieux avec l'équipe de, de Sega et de Ryu Ga Gotoku ceux qui ont fait les jeux vidéo Yakuza avec Okuto Ga Gotoku qui était sorti qui était un petit peu drôle, mais qui avait une, une vraiment un scénar sérieux. Euh, mais à part ça, il faut aller fouiller. Faut aller fouiller pour que Ken Ken c'est devenu même dédé au couteau. No Ken, c'est une série où les personnages ils ont les en, en super déformés où ils ont des grosses têtes, un petit corps. Je, 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 je suis, euh... je suis triste. Alors, il y a on n'a pas parlé de Sotène no Ken, Noken no Ken, c'était le. le, le... Le, le, le préquel de, 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 de Hokuto no Ken il euh, y a eu une première série qui était en 2D qui était horrible ils ont fait une série 3D ensuite donc ce qui est bien c'est que Hokuto no Ken a traversé toutes les générations animées toutes les techniques d'animation c'est intéressant sur le papier la forme peut-être un peu moins parce que Hokuto no Ken ensuite en 3D et eh ben c'est pas c'est pas terrible et ils ont fait une suite à Hokuto euh, à Soten no Ken euh, avec un autre dessinateur qui mime super Super bien le trait de Hara qui s'appelle ReGenesis. Et là, euh, ben, malédiction encore, c'était un récit sérieux. Ben, L'auteur, il est tombé en dépression, donc euh, il n'est pas prêt de revenir. Je ne sais pas où ça en est exactement cette histoire. Il y a quelques années, il disait qu'il était tombé en burn-out ou qu'il avait des soucis. Donc le côté sérieux de Kuto Noken n'est jamais mis très bien en, en, en valeur. Ce qu'il faut, je le dis, je le pense, c'est mettre un bon gros billet. Hein, et que North Star Pictures, qui, qui ont les droits, euh, fassent plus de partenariats avec, je ne sais pas, des jouets ou j'en sais rien, qu'ils aient plus de thunes pour rendre hommage à, 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 à Okutonoken. Parce que je le disais pour les, les revivals de 2006, ils ont essayé de changer le, le graphisme de, de, de no Ken parce que maintenant, ce n'est plus Masami Suda dans la tête, c'est plus une sorte de Tetsuo Hara, Masaki Sato, ou... Dans... Ils ont essayé de redéfinir le style graphique de no Ken sauf qu'il n'est pas adapté quand on essaye de s'approcher le plus du manga à l'animation. Donc tout ce qui sort en animé où on voit Ken qui ressemble beaucoup au manga, ben bah, en fait il bouge pas. Et quand ça bouge pas, aujourd'hui à l'heure où les enfants ils sont fans euh, surtout de shonen avec euh, de l'animation de fou comme Jujutsu Kaisen, euh, Demon Slayer euh, ou autres séries euh, My Hero Academia où ça pète dans tous les sens, tu leur proposes Ken. Fait en sorte que ça soit bien fait à fond, à 100%. quoi. Il faut que ça bouge, faut qu'il y ait du budget et c'est pas près d'arriver parce que quand je vois des, des, euh, des, des euh, City Hunter euh, en animé, ce n'est pas, pas fou en termes techniques et je crois que c'est Northstar derrière, j'espère je, ouais. pas dire de bêtises, mais ils ont, ils, ils sont pas loin. Hein, euh, euh, L'équipe de, de, de Aurier ouais. et Ara derrière. Euh, je, je, je pense que c'est un, un constat d'échec et qu'il faut absolument mettre des tunes pour que Okutonokan retrouve euh, son, son sa couronne quoi. Voilà. Pour terminer... Mais on y croit. L'année n'est pas finie. Moi, ouais, j'aurais pas dit mieux. Pour terminer, quelques petites questions rapides. Euh, manga ou animé Les deux. Moi aussi les deux. Ouais. Tout, je, je m'attendais à une réponse dans ce style, donc ça va. Ouais. Euh, quel est votre personnage favori Moarao. Chachi. Oh, c'est plus original. C'est, c'est mon, c'est la version Ray. Et on parle juste pour parler de de la deuxième partie de Hokuto no Ken. Ce monde impitoyable qu'on retrouve dans cette deuxième partie de Ken me fait beaucoup penser. Au monde de, euh, du film Dao Blade euh, dans, de, de Choi Ark, en fait, où tout, tout le monde est vraiment les, les bagarres, les morts peuvent éclater au, au pif comme ça, avec des, des, des écoles, des de, mecs qui font des arts martiaux. Ça me fait beaucoup penser à, à cette partie-là. Je l'ai associé à ça. c'est pas 100% véridique, c'est juste mon impression. donc euh, Et dans ce monde-là, il y a ce personnage Chachi que, que, que j'adore. Voilà. Chuuya étant un grand fan de BD, c'est pas impossible que ça l'ait inspiré à son tour hein, sur ce genre de choses. Peut-être, peut-être, peut-être. Tout à fait possible. Et euh... ouais, il se passe en Chine le deuxième arc qui se passe en Chine. Et puis et... Euh, comme eux, ils ont fait un peu, ils se sont inspirés, ils ont genre en gros euh, le premier arc c'est la période Sengoku. et puis le deuxième arc c'est la période Edo où on a un pouvoir central avec des règles, une société très très hiérarchisée tout ça. Euh... Après, peut-être peut que ça, à un moment donné, peut-être que Chuyark a, 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 vu, a, a vu les épisodes, peut-être. Je ne sais pas. Et on essaiera de lui poser la question. Ça, ça, que ça c'est toi qui pourras <laughs> lui demander. Ouais, <laughs> Et euh, quel est votre objet de merchandising lié à Okutonoken préféré Je parle en goodies, tout ça Goodies, jeux vidéo, euh, peu importe. Euh, moi, je dirais, bête, moi, je dirais le manga. Ça, ça peut être ce que vous voulez. Franchement, moi, je dirais que c'est le manga, tout simplement, parce que pas de... Je dois avoir une figurine au couteau de Ken, J'ai Ray là, de là-bas. Euh, J'ai une version. Euh, attends, je vais essayer de te la montrer. Donc, t'as, même pas ton personnage favori quand même. Un... Je, <laughs> euh, non, je suis pas un gros... Je suis pas un très très grand collectionneur. Ça, c'était un cadeau qu'on m'a fait, même. Tu vois. Donc voilà. J'ai celle-là. Euh, J'avoue je... que je mets trop, trop d'argent dans les blu pour pouvoir après acheter des goodies en plus. Donc, il euh, faut faire des choix. Donc, euh, je sais pas. Non, je... Je... Si, si je vends plein de livres, je vous jure, achete... achetez le livre, comme ça, je commencerai une collection. Moi, ouais, c'est ça mon préféré, mon goodie. Un très... <laughs> oh, 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 oh. goodies très récent. Donc. <laughs> Non, non, en termes de goodies, moi je suis, je suis un, un, un amoureux des, 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 des DVD. S'il peut avoir un jour les Blu-ray no euh, Noken euh, et retrouver ce, ce, ce magnifique chef-d'œuvre de 86 euh, en, dans une qualité encore plus, plus folle, je serais, je serais ravi. Et sinon, il y a un énorme artbook que j'aime et euh, qui, est, qui est dédié à 80 Noken. Il faudrait que j'aille le chercher, mais je, 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 je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ah si, je vais vous, vous le montrer. C'est ma pièce maîtresse. Ouais, il va falloir qu'on meuble en attendant. <laughs> ouais, ouais. Non, moi comme je te dis, ouais, bah, après, euh, ouais, si, moi j'ai... Euh, ouais, j'aime bien, euh, j'aime ai, les, les beaux MOOCs, les beaux hardbooks et tout. Après là, comme ça, ouais. sur, tu me prends sur le, le vif, non, un, un, un truc de merch euh, ouais, moi, préféré. J'ai très bon souvenir ouais. des jeux qui étaient sortis sur PS1 et PS2, ouais. qui étaient euh, excellents je suis une quiche en jeu vidéo je crois le dernier jeu vidéo que j'ai joué c'était Altered Beast sur Drive. donc tu vois oui, ça monte un petit peu quoi, ça, hein commence... ça commence oui. à être compliqué pour moi ah, c'est de la belle pièce ouais, ouais c'est la... une... un beau truc avec avec des planches originales hop là ouais donc c'est ça... ça pète bien je ne peux pas tout le sortir j'ai plus la place mais ah si allez je fais le je fais l'effort je suis un homme beau. Hop là. Et le... En fait, à l'intérieur de ce carton, il y a un artbook avec une boîte dorée. Donc il y a vraiment, il y a vraiment un bouquin de fou dedans. et c est, c est, c est... Il y a toutes les illustrations en grand format du manga de de Harald Bjornson c'est c'est un, une pépite à voir c'est un régal pour les yeux et pour ceux qui aiment l'animation il y a les Junichi Hayama works encore bon il y a pas que du Okuto Noken dedans hein. il, y a, il y a aussi du il y a aussi du Senseïa, il y a enfin bon bref il y a du il y a du Ultraman bref c'est c'est tous les tous les artbooks de Junichi Hayama c'est c'est magnifique tiens regarde il y a il y a Raoh voilà. Je n'ai aucun regret! <laughs> Exactement. Sur la gauche. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et quand tu parlais de jeux vidéo, le meilleur, ça reste quand même celui-ci un bah jeu voilà, de combat par, System, par Arc System. Donc, euh, vraiment trop bien. Et le dernier que je parlais, qui est sorti sur PS4, donc il n'y a pas si longtemps. Comme quoi, on pouvait faire quelque chose de sérieux et rigolo à la fois, mais en prenant le sujet vraiment au sérieux, avec euh, avec un jeu vidéo récent. Voilà, c'est tout. Magnifique. Merci pour euh, de nous avoir montré cette euh, petit extrait de, de collection. Et merci mm. d'avoir passé autant de temps à répondre à mes questions et à, à mes critiques. Donc, n'oubliez pas, euh, dans les arcanes de Okutonoken, l'héritier de l'apocalypse, par ces charmants messieurs, euh, Paul Gossem et euh, Guillaume Lopez, euh, je suis sûr que cela fera comme moi, cela vous convertira et vous deviendrez des fans absolus de Okutonoken également. Bah écoute, c'est bah, tu sais nous qui te, rem... te oh, oui. qui... ouais, euh... remercions. Ah, C'était un plaisir. De euh... enfin, toute façon, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc, euh... super content d'avoir fait cette émission avec toi. Et, et euh, voilà, c'est nous qui te remercions. Franchement. Euh... Merci. Merci, Merci à vous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut. <métant>